Bien tout le monde, c'est Scolin 182 et aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve pour le test de Final Fantasy 13-2. Enfin, si je puis me permettre, depuis le temps que je vous l'avais promis, je vais enfin vous tester FF13-2. Il était temps, hein. Alors, Final Fantasy 13-2 est édité et développé par Square Enix, c'est sorti au Japon le 15 décembre 2011, aux USA le 31 janvier 2012 et en France le 3 février 2012, sur PlayStation 3 et Xbox 360. Final Fantasy 13-2 fait également partie de la compilation Fabula Nova Crystallis Final Fantasy 1 aux côtés de Final Fantasy 13, le premier du nom bien sûr, mais également de Final Fantasy Versus 13, hein, qui se fait attendre toujours, la grande arlésienne du jeu vidéo, hein, qui n'a toujours pas de date de sortie depuis le temps qu'il a été annoncé. Il a été annoncé en même temps que FF13, hein, c'est vous dire. Et toujours pas de date, hein, rien du tout, hein, il a été maintes et maintes fois repoussé, annulé, désannulé, tout. On sait toujours rien sur ce jeu, hein, à mon avis, s'il sort, je dis bien s'il sort, hein, je pense que ça sera sur la prochaine génération de consoles, à savoir la PlayStation 4 ou la Xbox 720. Enfin bref. Alors, Final Fantasy 13-2 est bien entendu la suite directe de Final Fantasy 13. Hein, forcément, il y a un 2 juste après, hein, donc c'est un petit peu logique, hein, si je peux dire. Donc c'est un petit peu la même manière que Final Fantasy X-2 pour Final Fantasy X. Hein. 2 ans séparent uniquement Final Fantasy XIII-2 de Final Fantasy XIII. Hein. Final Fantasy XIII, on avait attendu au moins 5 ans avant qu'il sorte, alors que FF13-2, on a seulement dû attendre 2 ans. C'est un petit peu logique puisque le moteur graphique, l'environnement est le même dans ce FF13-2 que dans celui de FF13. Donc c'est normal que ça a mis beaucoup moins de temps à être développé. Moi, perso, je n'attendais pas beaucoup ce FF13-2 puisque Final Fantasy XIII m'avait satisfait amplement. Beaucoup ont critiqué FF13 pour son scénario, pour son gameplay, pour sa répétitivité, pour sa linéarité, pour son histoire un petit peu abracadabrante, voilà, donc il a été vraiment massacré par la presse, mais également par les joueurs, hein. Il a fait une polémique sans précédent, injustifiée ou justifiée, je ne sais pas, mais en tout cas, moi perso, j'ai vraiment aimé FF13, même si j'ai joué à d'autres FF avant, j'ai fait FF7, j'ai fait FF8, FF9, FF10, FF12, j'ai fait pas mal de FF, donc je peux dire que FF13 est un bon jeu quand même si c'est pas non plus l'excellence du Final Fantasy, hein, ou l'excellence du RPG, hein, loin de là. Mais ce n'est pas un jeu qu'il faut complètement bouder, qu'il faut cracher dessus sans aucune retenue. Non, ça c'est injustifié. Je trouve que c'est que les joueurs, ceux qui l'ont critiqué à mort, bon, c'est leur choix, hein, mais je trouve que voilà quoi, il faut pas non plus dire voilà, ne jouez pas à FF13, c'est un jeu pourri. Non, je conseille quand même de le faire, même pour ceux qui ont entendu que du mal sur ce jeu, de quand même l'essayer. Ne dites pas directement non, parce que tout le monde dit que c'est de la merde, alors c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. Faut pas raisonner comme ça, c'est pas bon. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse, hein, sur FF13. Donc je vous invite à aller voir mon test sur FF13 si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce que je pense déjà du jeu et sur son univers. Voilà, donc je vais pas revenir là-dessus. Même si je vais faire pas mal de comparaisons avec FF13 dans ce FF13-2, logique puisque c'est sa suite directe, hein, donc il s'en inspire amplement. Il essaie de corriger les défauts entre guillemets de FF13. Hein. Après, tout dépend ce qu'on appelle un défaut. Hein. Chacun voit les défauts d'un jeu de sa propre manière. Donc les développeurs ont fait FF13-2 principalement pour répondre aux fans qui ont boudé FF13 et qui ont critiqué à mort FF13. Voilà, c'est ce FF13-2, je pense qu'il a vu le jour principalement pour cette raison-là, mais également pour que Square Enix s'en mette également plein les poches, hein, puisque la licence Final Fantasy est une licence qui marche, hein. Donc il suffit de sortir un jeu et de l'appeler Final Fantasy, Square Enix sait que ça va marcher, ça c'est clair.
Et puis bon, FF13.2 a été développé bien plus facilement et rapidement que FF13, puisqu'il n'y avait pas tout l'univers à recréer, le moteur graphique à refaire et tout, donc forcément, c'est plus rentable pour eux à sortir une suite de FF13 plutôt que de sortir un peu plus tard un FF15 qui aurait nécessité beaucoup plus de mois ou voire d'années carrément de développement avant de nous le proposer. Alors, au niveau des concepteurs du jeu, eh bien, on prend les mêmes et on recommence, hein, ça ne change pas. Hein. Donc, le réalisateur, c'est Motomu Toriyama, le producteur, c'est Yoshinori Kitase, et le designer qui a fait le character design des différents personnages principaux de FF13.2, et également de FF13, hein, puisque je vous dis, c'est les mêmes concepteurs. Le designer, c'est Tetsuya Nomura. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a le petit clin d'œil à Kingdom Hearts que vous avez vu dans la cinématique d'intro. Hein. C'est un petit peu logique. Alors, au menu principal, qu'est-ce qu'on a ? Donc, bien sûr, nouvelle partie pour démarrer une nouvelle partie de ce FF13.2. Charger une partie, c'est ce que je vais faire dans quelques secondes hein, pour recommencer à partir de notre dernier point de sauvegarde. Contenu téléchargeable, donc c'est la nouveauté dans ce FF13.2 qui n'était pas présent dans FF13, c'est qu'il y a les DLC. Eh oui, les polémiques sur les DLC, ça revient encore, hein, donc on va pas faire un débat sur les DLC. Ils sont présents sur ce FF13.2, hein, Square Enix surfe sur la vague des DLC pour s'en mettre plein les poches et rentabiliser à mort leur jeu. Donc au niveau des DLC, la quasi-totalité est payante, hein. Après il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, je vais pas rentrer dans les détails non plus. Donc vous avez dans les DLC des costumes pour les deux personnages principaux du jeu, à savoir Sera et Noël. Vous avez également des armes supplémentaires, donc ça je vois pas trop l'intérêt d'acheter des armes supplémentaires pour vos personnages, sachant que ceux qui sont disponibles de base dans le jeu sont amplement suffisants. Et en plus de ça, bah, ça va booster votre personnage et un petit peu vous gâcher le challenge du jeu, hein, j'en vois pas trop l'intérêt. Vous avez également des boss facultatifs hein, que vous pourrez affronter dans le mode arène de ce FF13.2 que je vais vous montrer un peu plus tard. Et vous avez également des scénarios supplémentaires que je vous débattrai un petit peu en fin de test hein, pour pas trop non plus vous spoiler. Donc ensuite on a le prologue. Alors le prologue c'est pas mal, c'est en fait c'est un résumé de ce qui s'est passé dans FF13 hein, puisque comme je vous l'ai dit FF13.2 est la suite de FF13 hein, donc au niveau du scénario ça se suit. Donc pour ceux qui n'ont pas fait FF13 déjà je vois pas trop l'intérêt de faire FF13.2 si vous n'avez pas fait FF13. Donc, parce qu'au niveau du scénario, vous allez être un peu paumé. Au niveau de l'environnement, bah, vous allez tout découvrir, certes, mais vous n'aurez pas la même vision du jeu que si vous avez fait d'abord FF13. Voilà, vous allez revisiter des lieux dans FF13.2. Vous avez déjà visité au préalable dans FF13, mais sous un autre angle. Donc, la nostalgie, elle sera pas forcément là. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc, je vous conseille de faire FF13 avant FF13.2. Mais bon, si vous voulez quand même faire FF13.2. Vous avez quand même le droit à un petit prologue dans FF13 sous la forme de chapitre hein, pour vous un petit peu vous conter ce qui s'est passé dans FF13 avant FF13.2 bien entendu. Et pour ceux qui avaient pris qui avaient réservé le jeu et qui avaient eu le kit de réservation vous vous rappelez le Steelbook, à l'intérieur vous avez des DLC qui étaient offerts combattre avec Steel où vous avez des costumes pour vos personnages, vous aviez eu un boss facultatif que vous pouvez affronter, c'était Omega, et vous avez également qu'est-ce que vous avez également, bah vous avez également donc à part le steelbook, vous avez également un petit livret qui s'appelait Final Fantasy XIII épisode 1 et qui raconte un petit peu l'histoire et qui fait la transition entre Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII 2. Voilà. Comme ça, vous n'êtes pas largué complètement. Hein. Si vous avez jamais fait Final Fantasy XIII et que vous démarrez tout de suite avec FF13.2, vous êtes quand même un petit peu mis dans le bain pour commencer FF13.2 dans des bonnes conditions. Mais quand même, je vous conseille fortement de faire FF13 premier du nom avant FF13.2. Ça paraît plus logique. Ensuite, bonus. Donc dans les bonus, c'est un peu comme FF13. C'est des vu que là je suis sur PS3. C'est des thèmes pour le menu principal de la PlayStation 3, donc qu'on débloque en réussissant certains trophées. Sur Xbox, je sais pas du tout ce qu'on obtient.
Et dans les options, donc les options, il y a pas grand-chose, hein, si ce n'est que vous pouvez changer la difficulté des combats, soit en mode facile, soit en mode normal. Je vous conseille de mettre par défaut en mode normal pour avoir un minimum de challenge, parce que sinon vous allez vous gâcher le plaisir de livrer des batailles un petit peu plus corsées. Même si le jeu est loin d'être difficile, hein, rassurez-vous, mais si vous le mettez en facile, il va être super facile et c'est vraiment dommage. Donc mettez-le par défaut en normal, ça reste une difficulté vraiment standard qui est donnée à la portée de tout le monde. Allez, c'est parti, on charge une partie, hein. Ça c'est du squall tout craché, hein. La bonne répétition. Alors, sauvegarde une, voilà. J'ai qu'une seule sauvegarde de toute façon, hein, puisque vous allez voir, on va pouvoir revisiter des lieux qu'on avait déjà visités auparavant, ce qui n'était pas le cas dans FF13. C'est pour ça que j'avais eu plusieurs sauvegardes dans FF13 et pas dans ce FF13-2, voilà. Final Fantasy 13-2, the story so far. Alors donc là, je vais zapper, hein, parce que ça va vous spoiler sinon. Donc là, au début, on a la voix d'un des personnages du jeu qui va vous dire « Final Fantasy 13-2, the story so far !» Et après ça, bah, vous avez le petit résumé de ce qui s'est passé jusqu'au moment où vous êtes arrêté dans le jeu. Donc là, vu que je suis à la fin du jeu, j'ai tout fini à 100%. J'ai eu tous les trophées, hein, j'ai eu le trophée de platine, comme pour FF13. Je l'ai vraiment exploité à fond, ce jeu. Vous avez le dernier résumé avant l'affrontement final. Donc ça c'est pas mal, hein, d'avoir ce petit résumé en début de jeu, hein, si ça fait longtemps que vous avez pas joué à FF13-2 et que vous remettez, bah ça vous remet un petit peu dans le bain, hein, pour vous rappeler un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à là. Alors donc là on se retrouve dans le cœur de l'histoire. Donc c'est en fait la map monde du jeu, puisqu'il n'y a pas de map monde, hein. La dernière map monde dans un Final Fantasy, c'était dans Final Fantasy 9. Elle n'est plus présente après FF9, hein, ce qui est un petit peu dommage, hein. Franchement, j'aimais bien ce système de map monde où on évoluait sur une carte et qu'on pouvait combattre aléatoirement des ennemis. Ça, c'était plutôt sympa, ça rallongeait un petit peu la durée de vie. Là, c'est déjà mieux que FF13, puisque on peut revenir sur des endroits qu'on avait déjà visités quelques heures auparavant dans le jeu. Parce que dans FF13, souvenez-vous, au fur et à mesure qu'on avançait dans le scénario, on ne pouvait pas revenir en arrière. Il y avait certains lieux qu'on visite à un moment qu'on ne revisitera plus jamais. Donc c'est pour ça que si vous voulez les revoir, il va falloir faire des sauvegardes au cours du jeu, hein, plusieurs sauvegardes différentes. Là, l'avantage, on va pouvoir revenir sur ces lieux qu'on a déjà visités pour remplir des différentes tâches. Puisque la grande nouveauté de FF13-2 par rapport à FF13, c'est qu'on rompt avec le système de linéarité. Le jeu n'est plus linéaire. Les développeurs ont écouté les remarques négatives des joueurs et qui ont reproché à FF13 d'être vraiment d'une linéarité abominable. Et bien là, ils ont complètement revu le système de jeu. Donc là, on va pouvoir revenir en arrière, refaire des niveaux qu'on avait déjà visités auparavant. Voilà, on n'est pas obligé de faire un cheminement bien précis. On peut faire partir vers certains endroits avant un autre. Ça va permettre de un petit peu varier un petit peu la découverte du jeu, de ne pas rendre le jeu monotone et répétitif. Donc ça, c'est vraiment un atout sur ce FF13-2. Le fait qu'il n'y a plus de linéarité, ça c'est un bon point. Alors là, vous voyez dans le cœur de l'histoire, donc on a différents niveaux qu'on peut accéder. Donc en fait, FF13-2 va se baser sur les voyages dans le temps. Donc un clin d'œil à Chrono Trigger, hein, pour ceux qui connaissent. C'est le fait d'aller dans un lieu à différentes époques. Ça va vous permettre de voir l'environnement sous différents angles. C'est-à-dire que un endroit qu'on va visiter à 3 siècles d'intervalle, bah, il sera complètement chamboulé au niveau de son architecture, au niveau des personnages qui vont évoluer dans cet univers, au niveau de l'environnement. Voilà, tout va se chambouler en plusieurs siècles. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et ça m'a rappelé forcément un Chrono Trigger, hein, ça c'est clair.
Alors là, on va entrer dans... Allez, Neo-Boudoum. Donc là, à chaque fois que vous choisissez une époque, puisque vous voyez, je vais les appeler époques, hein, puisque ça va être différents lieux à différentes époques au cours du temps. À chaque fois que vous rentrez dans un lieu, vous allez avoir un petit descriptif de ce qui se passe dans l'époque que vous allez visiter. Donc le chiffre suivi de AC, ça correspond à l'année après la chute. AC veut dire après chute. Pourquoi après chute? Donc ça, je vous invite à revoir le scénario de FF13, ceux qui ont fait FF13. Donc attention, spoil! À la fin de FF13, hein, vous vous souvenez que Cocoon allait s'écraser sur Grand Pulse. Sans l'intervention de Ragnarok par l'intermédiaire de Fang et Vanille, Cocoon aurait dévasté Grand Pulse et l'humanité aurait été complètement exterminée. Donc grâce à Fang et à Vanille, qui ont formé par l'intermédiaire de Ragnarok un pilier de cristal, ça a retenu Cocoon en l'air et ça a évité la catastrophe. Vous voyez au loin là d'ailleurs un plan de caméra vraiment magnifique, hein. Vous voyez, graphiquement le jeu est très beau, hein, mais je vais y revenir de toute façon sur les graphismes. Vous voyez Cocoon, hein, qui est suspendu dans les airs par l'intermédiaire de ce pilier de cristal. Et depuis, donc, les habitants qui étaient sur Cocoon, qui ont tous migré sur Grand Pulse, puisque la vie sur Cocoon était devenue inhabitable, hein, vu que les Falci ont disparu. C'était eux qui chouchoutaient un petit peu les humains, hein, leur apportaient les vivres, la nourriture, l'eau, l'électricité, voilà, tout ce qui faisait vivre les humains sur Cocoon, c'était grâce aux Falci. Mais vu qu'à la fin de FF13, ils ont été tous anéantis, bah, les habitants ont été forcés et contraints d'aller sur Grand Pulse pour continuer à vivre, hein. Malheureusement, les conditions ne sont plus les mêmes, hein, sur Grand Pulse, qui est une terre plutôt hostile, vu qu'il y a beaucoup de monstres dessus. Et donc depuis, les habitants ont décidé de nommer chaque année de leur calendrier avec le suffixe AC, pour après-chute, pour rappeler que c'est un renouveau, hein, en fait, que l'histoire recommence, hein, c'est une page qui se tourne, voilà. Depuis l'époque et la vie sur Cocoon, hein, qui était une sorte de paradis sur Terre, mais qui a quand même fait souffrir de nombreux humains à cause des Falci. Là, c'est un tout nouveau monde qui s'offre à eux sur Grand Pulse. Et voilà, c'est pour tourner la page, hein, qui ont appelé chaque année de leur calendrier avec le suffixe AC. Donc bah, j'en viens directement à l'histoire, hein, puisque j'en parle un petit peu, hein, alors au niveau de l'histoire, comme je vous l'ai dit, donc ça se passe 3 ans après Final Fantasy XIII. Donc après la cinématique de fin de FF13, donc vous avez vu que Cocoon a été arrêté dans sa chute par le pilier de cristal. Donc grâce aux LC qui sont devenus des héros, avec bien sûr Lightning, et également Snow, Saz, Hope, Vanny et Fang, qui ont sauvé justement Cocoon de la destruction et du projet d'extermination mis au point par les Falci. Eh bien, Lightning, donc la grande héroïne de FF13, a disparu de façon mystérieuse. Donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Beaucoup pensent qu'elle est morte ou qu'elle s'est changée en cristal. Mais Sera, sa sœur, hein, qu'on dirige actuellement, est convaincue qu'elle est toujours vivante, hein, et qu'elle est quelque part et qu'un jour elle va revenir. Donc, d'ailleurs, Sera, hein, dans FF13, elle avait un rôle plutôt secondaire, hein. On la voyait pas trop. Un petit peu au début du jeu et puis à la fin, hein, vu qu'elle a été, elle avait été changée en cristal, hein, vu qu'elle c'était une LC et elle a rempli sa tâche, donc elle s'est transformée en cristal. Mais à la fin de FF13, elle est sortie de sa phase de somnolence et grâce à la bravoure de Snow et de Lightning. Et donc maintenant, nos amis vivent sur Neo-Boudoum, hein, donc la nouvelle ville de Boudoum qui a été construite sur Grand Pulse, hein, Neo-Boudoum en référence à Boudoum sur Cocoon. Donc Sera et tous les membres du Nora, hein, donc le groupe de Snow,
vivent à présent sur Neo Bodum. Et donc, 2 ans après la chute de Cocoon, même si Cocoon n'est pas tombé carrément sur le sol, mais il l'appelle après la chute. C'est pour ça qu'on l'appelle AC, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Donc, 2 ans après la chute, hein, Snow a décidé de partir pour essayer de retrouver Lightning, puisque Sarah était vraiment inquiète, elle ne savait pas du tout où était Lightning, comment elle a pu disparaître, est-ce qu'elle est toujours vivante ou pas. Elle est convaincue qu'elle est toujours vivante et que. Et qu'elle l'attend quelque part. Donc Snow a écouté la voix de sa petite amie, hein. Donc ça, il y a beaucoup de choses que vous apprenez dans FF13, hein. Forcément vous allez être largué si vous n'avez pas fait FF13, hein, parce que je vais pas forcément vous expliquer tout, hein. Je vous invite à faire FF13, hein, si vous voulez en apprendre plus. Donc vu que sa petite amie était vraiment très triste de l'absence de sa sœur, Snow a décidé de partir pour la retrouver. Puis il a disparu également. Donc 3 années après la chute, Sarah, qui n'arrêtait pas de faire des rêves bizarres où elle voyait Lightning dans un lieu assez mystérieux, qui est le Valhalla, donc un monde qui se trouve au-delà du temps. J'en dirai pas plus non plus à ce sujet pour pas trop spoiler, qui est en train de combattre un ennemi redoutable et qui cherche justement à détruire toute l'humanité et qui s'appelle Caius Balad. Donc c'est un personnage assez sombre, hein, on n'en sait pas trop au début du jeu, hein, quelles sont ses véritables intentions, donc j'en dirai pas plus non plus pour pas spoiler. Il porte quand même, là c'est vraiment qui m'a fait vraiment rire, c'est son épée. L'épée, c'est vraiment la réplique exacte de Soul Edge. On dirait que le mec, il l'a piqué à Nightmare, hein. Je sais pas, mais l'épée, on dirait Soul Edge, quoi. C'est hallucinant, quoi. J'essaierai de vous mettre un screenshot pour vous montrer un petit peu l'épée de Caius, hein. On dirait Soul Edge, hein. Le mec, il l'a chouré à Nightmare. Un truc de ouf. Et donc voilà, c'est vraiment... Est-ce que c'est le grand méchant du jeu ou pas? Ça, je n'en dirai pas plus. Mais voilà, il a un rôle très important au cours du scénario. Il est censé protéger également une fille qui a des visions de l'avenir, qui s'appelle Yule. Ses ambitions et son but restent assez obscurs tout au long du jeu, mais vont trouver une réponse au fur et à mesure qu'on va avancer dans le scénario. Donc voilà. Donc elle est convaincue donc que Lightning est toujours vivante, et donc Sarah, après avoir fait ce rêve, une météorite va s'abattre dans le village de Neo Bodum, et donc plein de monstres vont apparaître et envahir Neo Bodum. Donc ça va être la panique générale, hein. Et donc Sarah va devoir combattre ces ennemis qui sont apparus d'une façon totalement inexpliquée. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre avec Noël Kress, qui arrive tout droit du futur et qui va justement dire à Sarah que sa sœur est toujours vivante et qu'elle l'attend dans le Valhalla. Donc voilà, Noël, c'est celui que vous voyez sur votre gauche, hein, et qui va accompagner Sarah tout au long de l'aventure. Donc Sarah et Noël vont devoir traverser le temps. Donc aller à différentes époques pour essayer de retrouver Lightning. Voilà, donc c'est comme ça que va démarrer le scénario de FF13-2. Après, au fur et à mesure qu'ils vont voyager de lieu en lieu à différentes époques, ils vont voir que leurs actions vont influer sur le futur, mais également sur le passé, et ça va complètement chambouler le cours du temps. Et donc, il risque d'avoir une catastrophe sans précédent qui risque d'apparaître plusieurs siècles plus tard, dans laquelle est né Noël. Noël qui est né après une catastrophe qui a exterminé totalement la race humaine. Et pour éviter justement que cette catastrophe n'ait lieu, il veut justement changer le passé pour que le futur soit plus radieux. Donc j'en dirai pas plus au niveau du scénario, hein, parce que c'est un RPG, donc ça peut spoiler assez vite. Hein. Donc j'en dirai pas plus, hein, je vous conseille de faire le jeu pour avoir plus, pour découvrir tout ça par vous-même, hein, et avoir la surprise tout au long du jeu.
Voilà, mais un scénario vraiment intéressant. Moi, perso, je l'ai trouvé un peu moins passionnant que celui de FF13, un peu moins recherché. Mais voilà, il est sympathique. Hein. C'est pas non plus un scénario complexe. Hein. Il est plus beaucoup plus simple à comprendre que celui de FF13. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai pas trop adhéré. Mais voilà, c'est pour celui qui veut pas un scénario trop compliqué, ça passe. Voilà, c'est une aventure où il va y avoir beaucoup de rebondissements. Vu qu'il va y avoir des voyages dans le temps avec des chamboulements à différentes époques, puisque ce que vous allez faire à une certaine époque va influer sur une autre époque, et ça c'est ce qui est plutôt intéressant, c'est que voilà, vous allez avoir différentes manières d'aborder chaque endroit que vous allez visiter au cours de votre progression dans le jeu. Alors, au niveau des graphismes, donc c'est le même moteur graphique comme je vous l'ai dit que celui de FF13, donc c'est super beau, ça j'ai rien à dire à ce niveau-là, hein. Le jeu est magnifique, un des plus beaux jeux de la PlayStation 3 hein, et de la Xbox 360 forcément. Donc, vous voyez le rendu de l'eau est vraiment magnifique, hein. C'est le panorama, mais vous voyez, on s'arrête comme ça, on peut rester au moins 10 minutes à contempler le paysage, c'est super beau quoi. J'ai rien à dire à ce niveau-là, c'est du grand art, et en plus là, vu que je capture en HD, vous allez beaucoup plus apprécier les graphismes, hein, ce que j'ai pas pu faire pour FF13, hein, vu que j'avais pas encore mon boîtier d'acquisition HD. Donc là, vous voyez, c'est magnifique. Oui. Regardez-moi le rendu de l'eau, hein. Réaliste, hein, mine de rien. Donc on va changer de lieu, hein, on va quitter, on va faire Start, et on va revenir au cœur de l'histoire. Donc on peut faire ça à tout moment, hein, si vous voulez revenir au cœur de l'histoire, vous appuyez sur Pause. Et vous revenez sur la map monde, hein, entre guillemets, hein, parce que c'est pas vraiment une map monde. Mais au moins, c'est bien, c'est qu'on va pouvoir changer de lieu quand bon nous semble. Je vais vous mettre. Donc, vous allez voir un petit peu les chamboulements d'un. Suivant l'époque où vous allez aller. Je vais vous montrer un lieu à une certaine époque, par exemple la ruine de Brescia en 5 AC. Et ensuite, je vais vous le montrer en 300 AC. Vous allez voir, c'est complètement différent. Hop, on voit. Donc ce qui est un petit peu chiant, ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'il y a toujours des temps de chargement à chaque fois qu'on va entrer dans un nouveau lieu, hein. Il y a toujours un temps de chargement d'une vingtaine de secondes, c'est un petit peu lourd, hein, au fur et à mesure, surtout si on se gourde de lieu. C'est un petit peu chiant de devoir à chaque fois attendre. Et c'est vraiment long, hein. On doit patienter un bon petit moment avant de pouvoir y aller. Donc là c'est bon, on va pouvoir entrer dans les ruines de Brescia. Donc pas mal de lieux qu'on va visiter, hein, on les a déjà visités dans FF13. C'est pour ça que je vous dis de faire FF13 avant FF13 2, puisque vous allez avoir le côté nostalgie qui va revenir, de revisiter des lieux que vous avez déjà visités lorsque vous incarniez Lightning et ses amis. Donc là, les ruines des Brescia en fait bien entendu partie, hein. C'est un lieu qu'on avait déjà visité dans FF13. Donc c'est pour ça qu'il y aura également ce côté un petit peu recyclage de ce FF13 2, de revisiter des lieux qu'on a déjà visités. Les développeurs ne se sont pas trop foulés à créer des lieux inédits à 100%. Forcément, c'est une suite directe du jeu, donc on va revisiter des lieux qu'on a déjà visités, cela va de soi. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas assez de nouvel environnement. Surtout sur Grand Pulse, puisque dans FF13 on a surtout visité Cocoon. Grand Pulse on en a visité qu'une petite partie, et sachant que Grand Pulse est une terre vraiment importante à visiter, ils auraient pu nous mettre beaucoup plus de lieux inédits dans ce FF13 2. Ça c'est un petit peu dommage, il y en a quelques-uns mais je les trouve un petit peu insuffisants. Donc, vous voyez là dans les ruines de Brescia en 5 AC, hein, donc 5 ans après la chute. Ce que vous voyez là, ce sont des portes-portails, des portails temporels qui vont vous permettre de voyager à travers les époques. Donc quand vous touchez un portail, ça vous permet de revenir au cœur de l'histoire. Donc vous avez besoin, pour activer un portail, d'utiliser un artefact. Donc un artefact spécifique qu'on va avoir au cours du scénario principal, mais également certains artefacts qu'on appelle artefacts primitifs, qu'il va falloir dénicher dans certains lieux particuliers. Et ces artefacts vont vous permettre
de déverrouiller le portail temporel et donc de pouvoir voyager dans le temps. Donc ces artefacts sont vraiment indispensables si vous voulez compléter la carte à 100%, donc visiter les différentes époques et différents lieux du jeu. Donc là, on va revenir. Et je vous... qu'est-ce qui se passe? Ah oui, il est en train de changer. Oui, c'est... Des fois, c'est un petit peu long, hein, le temps de chargement. Donc soit, voilà, soit on prend les portails temporels pour revenir sur... sur le cœur de l'histoire, soit on appuie sur Start et on se téléporte, voilà. Mais je crois que la première fois qu'on visite le lieu, on est obligé d'utiliser une porte-portail pour revenir sur le cœur de l'histoire. Mais je m'en rappelle plus, parce que ça fait longtemps que j'ai fait le jeu quand même. Je me rappelle plus si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, une fois que vous avez visité le lieu, vous pouvez le faire en appuyant simplement sur Start. Vous n'êtes pas obligé d'accéder à un porte-portail pour revenir sur le cœur de l'histoire. Donc là, on va refaire le même, mais en 300 AC. Donc 300 ans après, quoi. Donc vous allez voir que ça a complètement tout changé, hein. Et donc ça va influer sur ce que vous allez faire. C'est-à-dire que ce que vous allez faire en l'an 3 AC va influer ce qui va arriver dans l'an 300 AC. Ça, c'est logique. Mais également, des fois, ce que vous allez faire dans l'an 300 AC va influer peut-être sur un lieu dans une autre époque. Donc attention, hein, tout ce que vous allez faire, le moindre changement que vous allez réaliser dans un certain lieu à une certaine époque peut influer sur un autre lieu à une autre époque. Voilà l'intérêt important de ce FF13-2, le fait que chacune de vos actions va influer au cours du temps. Voilà, ça c'est vraiment sympa. Là, vous voyez, il y a une tempête de neige, hein, magnifique en plus. Vous voyez là la neige posée sur la tête de Serra. C'est vraiment bien fait, quoi. Ah, là, on a un ennemi un petit peu qu'on retrouve un peu dans tous les Final Fantasy. Je vais vous montrer vite fait. Le Tombéry. Donc c'est un boss assez balèze, hein, qu'on rencontre pas dès le début du jeu. Ne vous inquiétez pas, là, c'est parce que j'ai tout fini. On a ce boss qui apparaît. C'est un boss qui apparaît d'une manière complètement aléatoire et qui est vraiment redoutable à éliminer. Et le combat risque d'être assez long, donc je vais quitter. On peut faire recommencer, donc on peut recommencer chaque combat, hein, ça c'est un peu le même principe que pour FF13, on peut recommencer le combat qu'on a engagé, hein, il faut simplement appuyer sur Start et puis reprendre, donc ça nous ramène sur là où on dirige le personnage, et on peut décider soit de fuir, soit de combattre à nouveau. Alors au niveau de la bande son, donc la bande son est également de très bonne qualité. Les musiques sont vraiment excellentes, hein, donc l'OST a été faite également comme pour FF13 par Masashi Amozu, hein, donc vraiment une excellente OST, hein, avec des thèmes qu'on a déjà entendus dans FF13, hein, donc là également il y a un peu de recyclage, c'est un peu dommage, mais il y a quand même pas mal de titres inédits, et comme le thème nerveux des chocobos, ça c'est vraiment sympa. Vous en avez d'autres, hein, d'autres thèmes, hein, que j'ai plus en tête, mais vous en avez quelques-uns qui sont inédits, mais il y en a pas mal qu'on a déjà entendu dans FF13, donc ça c'est un petit peu dommage qu'il n'y en a pas assez de nouveaux. Au niveau des chansons, au niveau de la chanson de fin, eh bien la chanson de fin, c'est vous vous rappelez, dans FF13 c'était pas la même qu'on ait la version japonaise ou la version... Ah bah tiens, en plus, là je viens de débloquer un familier, je vais vous dire à quoi ça correspond. Que l'on ait la version japonaise ou la version européenne ou américaine, on n'aura pas la même chanson. Donc pour la version anglaise, la chanson de fin est faite par Charis, et elle s'appelle New World. Alors que pour la version japonaise de FF13-2, elle a été faite par Mai Fukui, et la chanson c'est Yakusoku no Basho. Oula, oula, là je vais devoir démarrer le combat, mince. Donc voilà, la chanson est vraiment sympa, hein, aussi bien en jap qu'en anglais. D'ailleurs, le rythme de la chanson est la même, et la parole est le même également, hein, contrairement à la chanson dans FF13, hein,
My Hand de Leona Lewis n'avait absolument rien à voir avec la chanson Jap de FF13, hein, qui était Kimiga no Irukara, si je me souviens bien. Bon, on va ressortir parce que le combat est trop long. Hop, et on va quitter le lieu pour vous en montrer un autre. Donc voilà, vous voyez un petit peu les changements que... Hop, cœur de l'histoire. On peut même sauvegarder hein, quand on appuie sur le menu. Là, on peut sauvegarder à tout moment au cours du jeu. Ça, c'est plutôt bien. Et qui n'était pas présent dans FF13. Dans FF13, on était obligé, souvenez-vous, d'aller vers un point de sauvegarde pour sauvegarder. Là, ils ont un petit peu rendu ça grand public puisqu'on peut sauvegarder à tout moment en appuyant simplement sur la touche Start. Donc ça, je trouve ça un petit peu moyen. Ça rend le jeu beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'on peut sauvegarder à tout moment. Ça, c'est un petit peu dommage. Hein. Quelle que soit l'action qu'on va faire, il suffit juste d'appuyer sur Start juste après et d'appuyer et de sauvegarder. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, ça, la sauvegarde qu'on fait quand on est dans un différent endroit du jeu, ça va écraser la sauvegarde précédente. Alors que si vous sauvegardez directement sur le cœur de l'histoire, par exemple là, je fais sauvegarder avec la touche carré, là, je peux choisir de faire une nouvelle sauvegarde. C'est la seule façon de créer une nouvelle sauvegarde, pour en avoir plusieurs, c'est de sauvegarder sur... voulez-vous annuler la sauvegarde? Oui. C'est de sauvegarder sur le cœur de l'histoire. Mais bon, ça, je trouve que c'est un petit peu... ça rend le jeu plus facile, le fait de sauvegarder à n'importe quel moment. Il n'y a plus le même challenge et le même stress qu'il y avait dans FF13, où si on foire complètement, bah, on peut recommencer depuis le dernier point de sauvegarde. Ça, c'est un petit peu bateau. Un petit peu ballot, plutôt. Bateau, non. Donc je vais vous montrer une autre époque et je vais en venir directement au système de combat par la même occasion. On va aller sur la steppe d'Archiltien. Encore un lieu qu'on avait déjà visité dans FF13. Allez, hop, celui-là. Donc le système de... donc voilà, j'en finis avec les musiques. Donc les musiques d'excellente qualité, hein, comme je vous l'ai dit. Hein, même si c'est plus Nobuo Uematsu qui est aux commandes de l'OST des Final Fantasy, Masashi Amozu a fait quand même du très très bon boulot. Les musiques sont vraiment excellentes. Tous les thèmes s'écoutent avec un grand plaisir. Comme le thème de Serra, vraiment magnifique ce thème. Je vais vous en montrer un qui est vraiment excellent. Si je peux y aller juste après, je vous montrerai vite fait. Mais vraiment... il y en a un qui est bien sur la steppe d'Archite. Je vais essayer de vous le faire entendre. Et puis au niveau de la chanson pour le générique de fin, magnifique, que ce soit en Jap ou en version anglaise. Alors, donc là on est au niveau de la il pleut, donc c'est exactement le thème que je vais vous faire entendre. Donc je me tais et je vous laisse apprécier la bande son. Écouter une petite partie, hein. C'est un des thèmes que j'ai vraiment bien apprécié dans ce Final Fantasy XIII 2. Oh là, là il y a un combat. Donc trop tard, ça veut dire que je vais engager le combat sans aucun avantage. Donc là j'en viens comme ça tout de suite au gameplay du jeu. Donc le jeu se joue de la même façon que Final Fantasy XIII, hein, à savoir qu'on ne dirige qu'un seul personnage à la fois. Et les combats s'engendrent, hein, donc on voit les ennemis sur la carte. Et il suffit d'entrer en contact avec cet ennemi pour démarrer le combat proprement dit. Donc par rapport à FF13, pour pouvoir démarrer un combat avec un avantage, il faut taper l'ennemi directement avec la touche d'action. Donc si on touche l'ennemi avec la touche... vous allez voir là, je vais vous montrer directement. Ah non, je ne veux pas faire un combat balèze. Là, quand il y a une électricité, c'est-à-dire qu'on va avoir un ennemi assez redoutable. Voilà, donc là, pour pouvoir affronter l'ennemi avec un avantage, il suffit de l'attaquer avec la touche d'action X. Donc là, vous voyez, il y a marqué bravo, ça veut dire que je vais démarrer le combat avec un net avantage. Vous voyez, là, j'ai la compétence au niveau de mes stats. Vous voyez la petite montre hein, à côté du nom de mes personnages.
ça veut dire qu'on a le sort célérité, c'est-à-dire qu'on a un petit boost et que la jauge d'ATB va se remplir plus rapidement. Donc si vous voulez engager un combat avec un avantage et donc avoir un boost pour que la jauge ADV se remplit beaucoup plus rapidement, il faut taper l'ennemi avant qu'il ne nous touche. Donc voilà, par rapport à FF13, où il fallait toucher l'ennemi lorsqu'il est de dos, là c'est beaucoup plus simple de démarrer un combat avec un avantage, puisqu'on peut le prendre de profil, de face, de derrière. Il suffit juste de le taper avant que la jauge ne soit remplie complètement. La jauge, ça correspond justement à l'horloge mode. Vous voyez, là, elle est en train de s'écouler. Là, voilà, elle s'est arrêtée parce que j'ai dépassé la zone. Attendez, si je m'approche, voilà, je m'approche là. Vous voyez cette horloge MOG. Je vais vous parler de MOG juste après. L'horloge MOG, vous voyez, elle est en train de défiler. Et quand elle est remplie complètement, si on n'attaque pas l'ennemi avant que l'horloge MOG ne se remplisse complètement, ça va commencer à clignoter. Et donc, si on ne touche pas l'ennemi à temps, eh bien, on démarre normalement. On ne démarre pas avec un désavantage ou un malus, mais on n'a pas la jauge de boost que si on avait démarré le combat en tapant l'ennemi en premier. Voilà. Et pareil, si on se fait toucher par un ennemi avant de le taper, eh bien, également, on ne démarre pas le combat avec un bonus. Donc ça vous permet d'établir une petite stratégie pour engager les combats dans des bonnes conditions. Donc, dans 90% des cas, vous allez démarrer avec un bonus, hein, avec le bonus célérité, puisque c'est facile de taper l'ennemi avec la touche d'action avant qu'il ne vous touche ou avant que l'horloge MOG ne se remplisse complètement. Donc, contrairement à FF13, où c'était bien plus difficile pour une bonne partie des ennemis de les prendre à revers pour démarrer le combat avec un avantage. Et également, quand l'horloge MOG apparaît, hein, donc... vous avez la possibilité également de fuir, hein. Donc pour fuir, il faut justement s'éloigner, vous voyez du petit cercle bleu, il faut s'éloigner le plus possible de l'ennemi. Si on arrive à s'éloigner le plus vite possible de l'ennemi avant que l'horloge MOG ne s'écoule à 100%, eh bien on peut fuir le combat et donc l'ennemi disparaît complètement comme vous le voyez là. Mais des fois c'est complètement impossible, hein. On est obligé que le combat ait lieu. Bon là vous voyez, je me suis pris le... J'ai pas vu l'ennemi et donc le combat va démarrer sans que j'ai le droit à un bonus. Donc au niveau du gameplay, ça se base également comme je vous l'ai dit sur FF13 et donc sur la jauge ATB. Hein, la jauge ATB qui me permet de lancer des sorts, des attaques physiques ou des attaques magiques en fonction du nombre de carrés de cette jauge d'ATB que vous aurez. Donc au début vous n'avez le droit qu'à 3 ou 4 carrés de jauge ATB. Et au fur et à mesure que vous allez gagner des niveaux, vous allez pouvoir avoir plus de carrés. Au maximum, vous pouvez avoir jusqu'à 6 segments de jauge ATB pour lancer le maximum d'attaques différentes. Donc pareil, même principe. Donc on ne dirige qu'un seul personnage. Là, je dirige Syrah. Mais on peut également diriger Noël. Donc là, pour pouvoir diriger Noël, il suffit de, vous voyez là, de faire changer leader. Donc là, j'appuie changer leader et là maintenant, j'utilise Noël. Ce qui n'était pas le cas dans FF13. Hein. On pouvait diriger qu'un seul personnage à la fois au cours du combat. Donc là, on va se remettre de la vie parce qu'on est en train de se faire enchaîner. Donc qu'est-ce qu'on peut également faire dans le menu des combats? On peut également on va se remettre en mode rafale furieuse. On peut changer de stratégie. Donc stratégie ont un rôle très important à jouer dans ce FF13-2 comme dans FF13. En fonction de la stratégie que vous allez adopter, vous allez pouvoir utiliser des capacités différentes de vos personnages. Donc en tout, vous avez 6 stratégies. Vous avez la stratégie attaquant, la stratégie ravageur, la stratégie soigneur, défenseur, la stratégie tacticien et la stratégie, j'ai oublié son nom, la dernière, je me rappelle plus de son nom de la dernière stratégie, celle qui cause des malus aux ennemis. Ça va me revenir, mais là,
là je m'en rappelle plus. Voilà. Enfin, il y a 6 stratégies au total, et en fonction de la stratégie que vous allez adopter, vous allez avoir des capacités qui seront différentes pour vos personnages. Donc, là, vous voyez, là j'engage le combat directement. Vous pouvez, il suffit juste d'attaquer l'ennemi avant qu'il ne vous touche. Comme ça, on a la capacité célérité dès le début du combat, et donc ça accélère la jauge ATB, et donc vous pouvez lancer vos sorts beaucoup plus rapidement. Donc la jauge ADB se remplit plus vite. Donc la première action auto, ça permet la première, le premier au niveau du menu, ça vous permet de lancer une attaque directement. Donc ça va établir à l'avance l'attaque que vous allez faire. Vous voyez là, ça va faire vulnérabilité puisque j'ai la stratégie tacticien. Ah voilà, saboteur. Voilà, c'est ça la dernière stratégie, j'avais oublié. C'était saboteur. Donc la première action, c'est de lancer une attaque de façon automatique. Hein, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça va lancer la meilleure configuration possible contre l'ennemi que vous êtes en train d'affronter. C'est l'auto-attaque. La deuxième, c'est pour établir les compétences que vous voulez lancer avec votre personnage. Donc là, auto-combo, donc ça c'est automatique, comme je vous l'ai dit. Hein. Là, ça va lancer air, feu, glace à la suite, même foudre. Si je fais compétences, bon, j'ai pas le temps puisque le combat s'est déjà terminé. On va engager un autre combat. Ça serait bien de prendre un autre ennemi. Quel autre ennemi qui apparaît? Là, c'est toujours le même ennemi. J'aimerais bien vous montrer un autre ennemi, mais... La pluie est bien faite, hein, au passage. Hein. Rien à dire, vous voyez en plus, là, vous voyez des gouttelettes d'eau là sur l'écran, carrément. On croirait que c'est la caméra qui est carrément qui a également été mouillée, quoi. C'est vraiment bien fait, quoi. Ah voilà, allez hop, on va faire celui-là. Allez, viens là. Vite. Ah, il est où? Il est en train de clignoter. Engager le combat avec un malus. Enfin, avec un malus. Sans le célérité. Bon, bah tant pis. Hein. Donc voilà. Alors, le deuxième, compétence. On va se mettre en stratégie rafale furieuse. Compétence. Donc, ça vous permet de déterminer vous-même les actions que vous voulez utiliser. Hein. Donc, par exemple, je vais faire feu, foudre, feu au carré, qui prend plus de segments ATB. Hein. Suivant l'attaque que vous allez utiliser, elle va bouffer plus ou moins de votre jauge ATB. Hein. Plus l'attaque est puissante, plus vous allez consommer des segments de votre jauge ATB. Donc voilà, là ça vous permet d'utiliser manuellement vos compétences, hein, comme c'était le cas pour FF13. Voilà, donc là, j'engage le combat moi-même, avec un bonus. Donc moi je vous conseille de laisser auto, hein. Les compétences c'est juste à utiliser quand vous combattez un ennemi particulier et que vous voulez faire une certaine action bien particulière. Sinon je vous conseille de laisser en auto. En général l'ordinateur va utiliser par défaut la meilleure attaque contre l'ennemi que vous affrontez. En utilisant par exemple une attaque élémentaire si vous êtes en stratégie ravageur pour pouvoir lancer les sorts, il va lancer des attaques élémentaires qui sont le point faible de l'ennemi. Voilà, directement. Par exemple, un ennemi qui est sensible au feu, et bien il va directement lancer le sort brasier si vous mettez la compétence auto-attaque. Voilà. Au lieu de la sélectionner vous-même, vous allez faire auto-attaque et l'ordinateur va voir que l'ennemi c'est un ennemi qui est sensible au feu et il va lancer une attaque de feu. Mais pour ça, il faut d'abord avoir analysé l'ennemi en question. On va sortir, je vais vous montrer un autre lieu. Cœur de l'histoire. Il faut avoir d'abord analysé l'ennemi pour voir un petit peu ses faiblesses et ses résistances, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Comme ça, je vais vous montrer un thème bien sympathique. En plus, dans la step d'archive, j'ai oublié de vous dire, on va pouvoir changer également de climat. Il y a 4 climats différents. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et à chaque climat, vous avez des ennemis différents. Donc même sur un environnement particulier, vous pouvez carrément changer les saisons. Mais c'est uniquement à la step d'archive, hein. C'est pas dans les autres lieux. Hein. Je vous préviens tout de suite. Mais vous pouvez avoir un temps, comme vous l'avez vu là, qui était pluvieux, mais également un temps ensoleillé, un temps orageux et un temps venteux.
qui va influer sur les ennemis que vous allez affronter. Je vais vous montrer maintenant. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà, je vous montre. Code de Saint-Led 4. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oui, c'était celui-là. Attendez. Parce que là, en plus, vous pouvez changer de vue. Hein. Si cette vue ne vous convient pas, vous appuyez sur L1 et vous voyez, vous avez cette vue. Hein, pour si vous voulez un peu plus vous repérer et pas galérer entre les différents lieux que vous allez devoir visiter. Bon, moi, j'aime bien celui-là, hein, même si c'est un peu plus prise de tête. C'est pas grave. Vous voyez, là, la musique également sur le cœur de l'histoire. Elle est plutôt sympa. Hein. Je vous la laisse écouter. C'est le cœur de côte de Sunlet. Encore un lieu qu'on a déjà visité dans Final Fantasy XIII. Ah non. Ah oui, avant de faire ça, il faut que je... Quoique... Ouais, je suis obligé. Il faut que je ferme le portail. Donc, à un moment dans le jeu, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez gagner également des artefacts qui vont vous permettre de verrouiller les portails. Parce que le but, c'est d'abord de les ouvrir pour accéder à différentes époques, à différents lieux dans le cœur de l'histoire. Mais il va falloir également revenir dans certains lieux et retourner un petit peu dans le passé pour justement faire des actions que vous n'avez pas pu faire la première fois. Donc pour pouvoir débloquer les fragments. Donc vous voyez, il y a des fragments à chaque époque que vous avez visité, il y a des fragments à récupérer. Les fragments, je vais aller dans le menu juste après pour vous montrer. Les fragments vont permettre un petit peu d'en apprendre un peu plus sur le scénario du jeu de façon beaucoup plus détaillée. Et donc le but, c'est d'avoir 160 fragments, c'est le maximum que vous pouvez obtenir. Si vous réussissez à avoir les 160, vous accédez à la fin cachée de FF13-2 une fois que vous avez fini le jeu. Voilà, ça vous donne une petite séquence supplémentaire à la fin du jeu. Donc voilà, pour pouvoir récupérer certains fragments, il va falloir verrouiller certains portails pour pouvoir refaire certains niveaux avant de... sous un autre angle, mais vous conservez les stats que vous avez acquis jusqu'à présent. C'est à dire que si vous avez acquis tel niveau et que vous verriez par exemple vous accédez à ce niveau 300 AC la première fois, vous êtes au niveau 5, vous allez galérer un petit peu, mais vous allez continuer à avancer quand même. Si vous décidez un peu plus tard dans le jeu de revenir à ce niveau et de refaire par exemple un boss que vous avez déjà affronté la première fois, ce que je vais vous montrer là, vous pourrez donc vous verrouiller le portail, ce que je fais à présent, et vous allez refaire ce même niveau cette fois-ci avec cette fois-ci vous allez réaffronter le boss, mais en gardant le niveau que vous avez acquis plusieurs heures plus tard, quoi. C'est-à-dire si on est au niveau 50, on va pouvoir réaffronter ce boss au niveau 50 alors que la première fois on l'a affronté au niveau 3, voilà, par exemple. Vous m'avez compris, quoi. Mais ça, pour cela, il va falloir obtenir des objets spéciaux pour pouvoir verrouiller les différentes époques que vous allez visiter. Donc ça, c'est surtout le fait de verrouiller les époques, c'est surtout pour pouvoir récupérer les différents fragments. Certains fragments vont vous demander de réaliser certaines actions bien précises dans certains lieux à une certaine époque, bien entendu. Et donc ça, vous pouvez pas le faire au cours d'une seule... au cours d'un seul essai. Il va falloir refaire le niveau deux ou trois fois pour débloquer les différents fragments du lieu que vous avez visité. Voilà. Donc ça ajoute une plus-value au fait de refaire le jeu une deuxième fois. Enfin, on ne refait pas entièrement le jeu puisque c'est toujours la même sauvegarde, mais c'est sympa de revenir sur certains niveaux, réaffronter certains boss de différentes façons pour débloquer de nouveaux fragments. Donc ça permet de rajouter de la durée de vie au jeu. Donc là, je vais vous montrer un affrontement contre un boss et vous permettre de vous montrer également un nouveau système de gameplay qui est apparu dans ce FF13-2, c'est-à-dire les combats de cinématique, donc, qui n'étaient pas présents également dans FF13. Donc vous avez vu, au niveau des combats, c'est exactement pareil que pour FF13. Hein. Il y a toujours l'importance de changer de stratégie tout au long du combat pour mener à bien l'affrontement contre les ennemis. Et sinon, ça se passe exactement de la même façon. Donc ça, on va passer. Hein, donc, bien sûr, là, c'est sous-titré en français et ça parle en anglais. Hein, ça ne change pas. Voilà, donc là, on dirige Noël. Donc Noël est un personnage vraiment... moi, je le trouve sympa. Hein,
On va pas dire non plus qu'il est méga super stylé, hein. Il rappelle un petit peu, voilà, caractère design, voilà, ça fait penser un petit peu à Sora, en plus grand bien sûr. Mais je le trouve quand même assez classe, voilà. Et, je trouve quand même Caius plus classe que lui, hein. Mais il est quand même sympa à diriger, quoi. D'ailleurs, les seuls personnages qu'on peut incarner dans ce FF13-2 sont Serra et Noël. Voilà. Malheureusement, on ne peut pas incarner d'autres personnages comme Lightning, comme Snow, comme Hope, ouais, comme Saz. Ça, c'est un petit peu dommage. On ne peut diriger que ces deux personnages. Donc, si on n'aime pas trop les deux personnages, bah, on n'a pas trop le choix. On peut pas les changer, hein. C'est pas comme dans les anciens FF où on pouvait changer de personnages, s'il y en a un qui nous plaît pas, on avait toujours l'embarras du choix, on avait au moins 6 personnages différents. Donc il y a moyen de trouver les personnages il y en aura au moins 3 qui vont nous plaire. Là, on n'a pas trop le choix dans ce FF13-2. On a que 2 personnages. Si on les aime pas, on n'a pas le choix, on doit se les coltiner du début à la fin. Et en plus de ça, vous allez pouvoir également vous faire accompagner de familiers, hein. Mais je vais revenir sur les familiers. Les familiers, c'est le monstre que vous voyez combattre avec nous. Je vous ai montré quelques phases de combat. Donc là, on va revoir Snow, qui a bien changé depuis FF13, enfin, surtout au niveau de sa coupe. Oh, il est là. Il a vraiment une crinière, hein. On dirait un lion, quoi. Moi, je pense qu'il aurait dû garder son bonnet. Hein. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu la tête du nouveau Snow. Donc également Hope, hein, qui a pris également de l'âge, hein, dans son FF13-2. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de faire FF13 avant FF13-2, de voir un petit peu comment les personnages ont changé physiquement dans ce FF13-2 par rapport à FF13. Ça, c'est vraiment sympa. Donc vous voyez, donc là, je vous ai montré, donc la première action, c'est soit les auto-attaques. Donc oui, pour pouvoir analyser l'ennemi, on appuie sur R1 et ça nous permet directement de voir un petit peu les aptitudes de l'ennemi. Il y a même un objet qui permet un petit peu qu'on utilise pour un petit peu plus développer les stats et voir un peu plus d'infos sur l'ennemi. Donc là, on voit à peu près quels sont ses points faibles, ses points de résistance. Vous voyez, indomptable, c'est-à-dire que est-ce que l'ennemi, on va pouvoir le dompter ou pas, puisque les familiers ne s'obtiennent qu'en battant des ennemis qu'on affronte sur la carte. Et d'une manière un petit peu aléatoire, on peut capturer le monstre et ensuite s'en servir pour qu'il nous aide au cours des combats, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la même manière que Pokémon, quoi. On capture l'ennemi, on capture le monstre, on le fait même évoluer, hein, parce que il va gagner également des niveaux. Je vais vous montrer quand on va aller dans les menus. Il va permettre de gagner des niveaux et donc il va nous aider au cours du combat. Et il est également soumis aux stratégies. Là à gauche, vous voyez également à quel seuil on peut mettre l'ennemi en choc, parce que l'intérêt, c'est de mettre l'ennemi en choc le plus rapidement possible. Ah voilà, combat de cinématique. Voilà, il faut appuyer sur les bons boutons au bon moment, hein. C'est du QTE, hein, classique. Bon, c'est simple à faire, hein. Vous avez quand même largement le temps d'appuyer dessus. Bon, là il est rapide, le QTE, c'est pas grave. Donc voilà, le but à chaque combat, c'est de remplir votre jauge ATB au maximum. Le jauge de combo de l'ennemi au maximum. Vous voyez, elle est en train de se remplir, la barre jaune, hein. Dès qu'elle est remplie complètement, donc il faut atteindre les 200%. Dès qu'elle sera remplie entièrement, on va pouvoir mettre l'ennemi en choc. Et quand l'ennemi est en choc, eh bien il est en choc là. Il va se prendre des dégâts beaucoup plus que s'il n'était pas en choc. Allez, encore une attaque de cinématique. Là, je crois que j'ai éliminé l'ennemi. Il était vu que j'ai un niveau vraiment très très élevé, donc forcément je l'ai éclaté rapidement. Mais la première fois que vous l'affrontez, vous allez plus galérer. Hein, ça c'est clair. Voilà la nouveauté, hein, une des nouveautés dans ce FF13-2, hein, les combats de cinématique, hein, vraiment classe, hein, de bonnes animations, ce qui permet de conclure un peu les combats en général. Là, c'est toujours en fin de combat que vous avez le droit à un combat de cinématique contre un boss, et deux fois en plein milieu. Voilà. Donc en fin de combat, vous avez également les stats, hein, plus vous réussissez le combat rapidement et plus vous aurez d'étoiles.
donc le maximum étant 5 étoiles, le rang va influer justement sur les objets que vous allez récupérer à la fin du combat. Plus vous aurez un rang élevé, plus les combats que vous allez obtenir, les objets que vous allez obtenir, vous voyez, butin rare et butin plus 200%, ça veut dire que j'aurai beaucoup plus de chances d'obtenir un objet rare, vu que j'ai 5 étoiles, que si j'avais obtenu 3 étoiles. Voilà, donc le but c'est de finir le combat rapidement pour gagner un maximum d'étoiles et donc gagner des objets beaucoup plus rares. Voilà. Également, le fait d'engager le combat avec un avantage, hein, avec un bonus, hein, vous permet également de finir le combat plus rapidement et donc d'avoir beaucoup plus d'étoiles lorsque vous finissez le combat. Et également, vous gagnez plus de Jill. Donc ça, c'est également un ajout par rapport à FF13, c'est qu'on peut gagner des Jill à chaque combat qu'on mène. Donc ça, c'est plutôt bien parce que dans FF13, c'était la galère pour récupérer des Jill. Il fallait à chaque fois acheter, vendre des objets pour gagner des sous. Alors que là, à chaque ennemi qu'on va battre, on va gagner des Jills. Donc les Jills, c'est la monnaie des Final Fantasy et qui vont nous permettre d'acheter des armes, équipements, accessoires et objets pour nos personnages. Voilà, donc ça, on va passer. Voilà, donc là, on va un petit peu vous montrer les lieux. Donc voilà, on a une sauvegarde automatique, hein. Même au cours du jeu, on a une sauvegarde automatique. C'est-à-dire que si jamais on crève contre un ennemi, on recommencera juste avant le combat contre cet ennemi. Donc ça également, ça simplifie le jeu, hein, puisque vous n'avez pas peur de mourir, hein, parce qu'à chaque combat que vous allez mener, même si vous ratez le combat et que vous fassiez tuer, et ben vous recommencerez juste avant d'avoir engagé le dernier combat. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage, hein. Il y a pas le même stress qu'il y avait avec les anciens FF où... Si on meurt, on recommence depuis notre dernier point de sauvegarde. Là, non. Il y a des sauvegardes automatiques tout le long du jeu, donc vous avancerez toujours. Hein. Même si vous butez sur un ennemi, il suffit de recommencer pour que ça passe. Mais bon, il faut pas. Chaque ennemi est abordé de différentes façons. Il ne faut pas y aller comme un bourrin. Il ne faut pas y aller en l'attaquant sans cesse. Des fois, il va falloir adopter une stratégie. C'est pour ça que les stratégies ont un rôle important à jouer. C'est-à-dire que pour certains ennemis, il va falloir d'abord les affaiblir ou alors augmenter vos stats pour pouvoir les toucher. Voilà, donc il faut faire attention aux stratégies que vous allez adopter pour chaque ennemi que vous allez affronter. Voilà, donc comme je l'ai dit, j'en reviens à la jauge de combo. Le but à chaque combat que vous allez mener, c'est de remplir cette jauge de combo au maximum pour justement multiplier par 2 les attaques physiques et magiques que vous allez faire à l'ennemi. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si la jauge n'est pas remplie, vous ferez moins de dégâts à l'ennemi que vous affrontez. Voilà, encore une musique inédite, hein, et sympathique à écouter. Donc il y a quelques petites phases de plateforme, hein, en appuyant sur la touche d'action, ça permet de sauter sur les plateformes. C'est automatique, hein, c'est pas non plus des actions de ouf, quoi, hein. Tout ça se fait de manière complètement automatique. Alors, je vais vous montrer un combat, parce qu'il y a encore quelques trucs que je vous ai pas montré. Je pense que j'aurais fait le tour des... Attendez, je sais pas si je peux pas vous montrer. Voilà, on peut également utiliser des objets, hein, des objets de soins ou des objets pour vous soigner ou se soigner d'un malus ou d'une altération d'état. Et on peut changer de personnage à tout moment, on peut switcher entre les personnages. Par contre, si le personnage qu'on incarne meurt au cours du combat, ça va directement switcher sur le deuxième personnage, hein. Donc on n'a pas le game over direct, hein, comme c'était le cas dans FF13, où lorsque notre personnage principal, personnage leader, meurt au cours du combat, on recommence depuis juste avant le combat. Non, là le combat continue quand même, mais c'est le deuxième personnage qui prend le relais et devient donc par défaut le leader. Après, il faut utiliser la compétence vie pour ramener à la vie le leader qui était le précédent leader
et donc continuer le combat. Mais on n'est pas obligé également, on peut également continuer avec le leader secondaire. Voilà, donc ça, c'est, ça permet de ne pas rendre le jeu frustrant, comme c'était le cas dans FF13, où quand notre leader meurt, bah, toute l'équipe meurt. Là, non, c'est-à-dire que le deuxième personnage prend le relais quand le premier décède. Voilà, ça c'est bien, c'est que ça permet, le combat n'est pas terminé quand un des héros meurt. Voilà. Par contre, si les deux meurent au cours du combat, là c'est perdu pour le combat et on redémarre juste avant ce combat. Voilà. Donc et par contre, parce que le familier qu'on a avec nous, on ne peut pas le diriger, on ne dirige que Serra et Noël. Le familier n'est là juste que pour apporter des attaques supplémentaires au cours du combat ou des compétences spéciales. On ne va pas du tout l'incarner directement. On lui donnera des ordres, comme c'était le cas dans FF13, hein, où on dirigeait le leader et on donnait des ordres aux deux membres qui nous suivaient. Là, c'est pareil, on dirige qu'un seul personnage à la fois et on donne des ordres aux deux autres. Si on dirige Serra, on donnera des ordres à Noël et au familier qui sera avec nous. Voilà. Et si on dirige Noël, bah, ça, on donnera des ordres à Serra et au familier qui est avec nous. Vous m'avez compris. Ok, on est rendu à 1h, mais vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire un test qui dure 3h comme pour FF13. Hein. On va essayer de faire bref. De toute façon, j'ai plus beaucoup de choses à vous dire sur le jeu. Donc là, on va redéverrouiller les portails. Hein. Donc voilà, l'intérêt de fermer ou ouvrir les portails. Hein. Donc à chaque époque et à chaque lieu, vous aurez différents portails qu'il va falloir déverrouiller. Et comme je vous l'ai dit, pour déverrouiller un portail, vous avez besoin d'artefacts à récupérer dans certains lieux bien précis. Je vais vous montrer... Fortuna. Donc Fortuna, c'est un lieu bien particulier. C'est un petit peu le Gold Saucer de ce FF13. Mais FF13-2, même si ça n'a rien à voir avec Gold Saucer, mais on va dire que c'est une sorte de minigame. C'est là où on va pouvoir s'amuser. On sera amené à y aller au cours du scénario principal, mais on n'y reste pas longtemps, quoi. C'est très rapide. Et c'est juste pour s'amuser et gagner plus de gils qu'on va dans ce Gold Saucer. qu'on va dans Fortuna. Voilà, donc c'est un lieu c'est un lieu de jeu. Donc dans ce lieu de jeu, il y a que deux choses qu'on peut faire. Soit le jeu de la machine à sous que je vais vous montrer là. On va y aller de ce pas. Donc ça c'est bien, il y a des mini-games dans ce FF13-2 qui a été fortement reproché à FF13, le fait qu'il n'y avait pas assez de quêtes annexes. Là dans FF13-2, vous en avez des quêtes annexes. Hein. Déjà vous avez les quêtes annexes des fragments à récupérer, donc 160 à récupérer en remplissant différentes tâches. Donc à savoir, par exemple vous avez parlé à certains PNJ, donc il y a plusieurs PNJ que vous pourrez communiquer avec, ce qui n'était pas le cas dans FF13, encore une nouveauté. On va pouvoir dialoguer avec pas mal de PNJ. Certains vont vous donner des tâches à accomplir, comme par exemple aller récupérer un objet pour leur compte et leur rapporter. Alors qu'il faut savoir également que certaines missions données par un PNJ à une époque et un lieu bien particulier ne seront résolues qu'à une autre époque dans un autre lieu. Et ça c'est bien, parce qu'il va falloir revoyager dans le temps à différentes époques pour remplir les différentes tâches que vous ont données les PNJ. Voilà. Et donc, quand vous réussissez une tâche, vous récupérez un des fragments. Et donc, dans les autres minigames que vous avez à votre disposition, donc ils sont dans Fortuna. Donc, vous avez la machine à sous. Je vais vous la montrer rapidos. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, bah, c'est simple, hein, la machine à sous. Hein. On mise de l'argent, on mise des gils. Enfin, c'est la monnaie spéciale du... c'est pas des gils, c'est des jetons. C'est des jetons propres à Fortuna. Et donc là, hop, et j'ai pas réussi. Voilà, c'est du hasard, hein, donc forcément, il va falloir faire trois symboles identiques. Hein, avec ma chance, je vais rien obtenir. Ah, si j'ai réussi. Ah, j'ai parlé trop vite. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous voyez un petit peu, vous voyez ce que c'est que la machine à sous. Donc là, on va sortir. Ah non, on peut pas sortir. Comment on sort? Ah voilà, c'est comme ça. Ok. Donc voilà la machine à sous. Hein. Donc la monnaie
dans Fortuna, ce sont des jetons hein, qu'on peut acheter en les échangeant contre des djils à l'accueil, et qui vont permettre d'acheter également des objets bien spécifiques que l'on trouve qu'à Fortuna. Donc voilà, ils sont là avec ces objets. Voilà. Hop, vous voyez, donc là on peut acheter des jetons et on peut acheter des prix. Donc là pour certains, par exemple, il y a un artefact primitif qu'il va falloir acheter ici, uniquement ici. Donc il va falloir jouer quand même un minimum aux machines à sous et à l'attraction principale et qui est beaucoup plus rentable, c'est les courses de chocobo. Donc vous voyez, il y a l'artefact primitif. Et on peut également acheter d'autres objets qui ne sont pas forcément présents dans la boutique qu'on trouve un peu partout dans le jeu et qui est la boutique de Chocolina. Donc là, vous voyez, je vais vous la montrer, Chocolina, juste après. Donc je vais vous montrer une petite course de chocobo. Donc la course de chocobo, il faut sortir de là. Donc quand on gagne à la machine à sous ou aux courses de chocobo, on gagne des jetons. Voilà. Donc les jetons, comme je l'ai dit, vont servir et la monnaie d'échange pour acheter des objets bien particuliers dans Fortuna et qui sont exclusives à Fortuna. Là-dedans, c'est ici les courses de chocobo. Donc ça, là vous allez pouvoir y passer des heures entières hein. Rien que dans les courses de chocobo, c'est vraiment super fun. Et ça rappelle également Final Fantasy VII, hein, où on avait des courses de chocobo, où il fallait élever des chocobos de différentes couleurs pour faire ensuite des courses dans le Gold Saucer et gagner un maximum de fric. Donc ça, voilà, c'est un petit clin d'œil à FF7, ça c'est vraiment sympa. Hein. Les chocobos ont vraiment une importance dans ce FF13-2, alors qu'ils étaient vraiment d'une utilité très contestable dans FF13. Donc la première chose à faire dans le Chocodrome, c'est d'inscrire un chocobo. Donc là, j'en ai plusieurs que j'ai capturés. Donc comme je vous l'ai dit, pour capturer un familier, il va falloir l'affronter. Et si on a assez de chance, on va pouvoir le faire joindre à notre équipe. Donc là, je vais prendre le chocobo argent, parce que le chocobo argent, c'est celui qui a les meilleures compétences lorsqu'il est boosté à fond dans les courses de chocobo. Donc à savoir, hein, c'est une petite astuce que je vous donne. Hein. Je vous conseille fortement de choper un chocobo argent. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul exemplaire et on ne le capture pas. Il faut le trouver. Il est caché à un certain endroit du jeu. Je ne me rappelle plus où exactement. Mais il est présent qu'une seule fois, le chocobo argent et également chocobo or. Ouais, comme quoi, c'est vraiment le clin d'œil à FF7. Hein, le fait de revoir les chocobos de différentes couleurs. Chocobo rouge, vert, noir, blanc, argent et or. Quoi. C'est sympa. Donc le chocobo argent, voilà, il est rare, il est présent qu'une seule fois, et donc si vous l'avez, boostez-le à fond et ça sera le meilleur chocobo que vous pouvez utiliser pour gagner un maximum d'argent aux courses de chocobo. Donc les courses, donc là on a notre carrière, hein, les records que j'ai fait, il y a plusieurs stats qu'on peut visualiser. Donc le but, ça sera justement de faire évoluer votre chocobo, donc d'abord le faire combattre un maximum de fois, puisque pour pouvoir gagner des niveaux, il va falloir que le familier soit avec vous dans l'équipe. Hein. Tous les familiers que vous avez capturés, vous pouvez capturer un nombre incalculable de familles à la fois, mais vous ne pouvez en utiliser qu'un seul au cours des combats. Et c'est celui que vous avez avec vous au cours du combat qui va gagner des niveaux. Donc pour que votre chocobo ait les meilleures stats, Il va falloir le faire combattre un maximum de combats pour augmenter son niveau et donc améliorer ses compétences. Ouais, donc là, vous voyez, les aptitudes sont max, il y a plein d'aptitudes que j'ai eues. Et le sprint correspond, un très bon sprint pour les courses rapides, une bonne endurance pour les courses longues. Le PL, donc ça c'est important à savoir, c'est les points de longévité. Ça veut dire que plus ce chiffre, au fur et à mesure que vous allez faire des courses, ce chiffre va diminuer. Quand il atteint 0, vous ne pourrez plus faire de course avec ce chocobo, il va falloir le désinscrire. Mais vous pouvez le réinscrire à nouveau. Voilà. Allez, on va faire une course. Je vais vous faire une course rapide. Hein. On va faire une course trop compliquée. Voilà, on va faire celle-là. Hop.
Hop. Donc on a différentes courses hein, de différentes coupes. Au début on a la coupe Cocoon et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va débloquer de nouvelles courses hein, de façon un peu aléatoire. Le but c'est d'atteindre les coupes les plus élevées hein, qui est la meilleure coupe, c'est la coupe Falsi, où on a les courses les plus difficiles certes, mais également celles qui rapportent le plus d'argent. Voilà. Vous avez également des courses spéciales qui n'apparaissent qu'à certains moments et qui vous permettent également d'obtenir des objets. Par exemple là, si je réussis la course, donc je gagne de l'argent, donc, enfin pas de l'argent, je gagne des jetons, mais je gagne également un objet particulier. Là j'ai la récompense potion. Et suivant la course qu'on va faire, si on arrive premier, on gagnera un objet bien particulier. Donc certains objets assez rares ne sont obtenus qu'en arrivant premier à une course de chocobo. Voilà. Donc là, on peut également choisir de parier sur un chocobo. Donc on n'est pas obligé de parier sur notre chocobo, on peut parier sur un autre qui part avec un avantage. Et donc pour gagner également de l'argent. Bon là, je vais parier sur mon chocobo à moi, hein, parce que je sais qu'il va arriver premier. Même si sa cote est assez faible. Voilà, on peut parier jusqu'à 100 jetons. Je vais faire une échappée dès le départ. Donc ça c'est la stratégie. On peut établir une stratégie avant de démarrer la course hein, pour qu'on ait plus de chances d'arriver premier à la course. Mais là de toute façon on est une des premières courses du jeu. Donc avec mon chocobo boosté à fond, je vais arriver avec une longueur d'avance sans précédent. Voilà. Donc, vous voyez là il est là, numéro 8. Vous voyez, là c'est une aptitude spéciale du chocobo de sprinter quoi. Ça c'est pas par défaut sur tous les chocobos. Il faut avoir une aptitude spéciale. Donc il va falloir avoir une compétence spéciale dans le mode combat lorsqu'on utilise ce chocobo. Pour on peut changer la caméra, vous voyez là, ça sert à rien, c'est juste pour le fun. Je vous laisse écouter un petit peu la musique. Des chocobos vraiment sympa de l'écouter de nouveau dans ce jeu, ça fait vraiment plaisir hein, d'écouter le thème des chocobos, magnifique. En plus vous allez avoir un remix de ce thème, je vais essayer de vous le faire écouter après, donc il va falloir que je chope un chocobo. Donc voilà, je suis arrivé premier hein, sans aucune difficulté, et là vous voyez j'ai débloqué, vu que j'ai réussi à une course dans la coupe Cocoon, j'ai débloqué la coupe monstre. Et donc là maintenant je vais pouvoir faire dans la classe monstre des courses un peu plus difficiles pour gagner des objets et des jetons un peu plus importants. Voilà, donc en plus vous avez vu on avait une jauge qu'on peut également vider à tout moment au cours de la course pour mettre un turbo supplémentaire à notre chocobo. Vous voyez à peu près les courses de chocobo commencer hein, je ne vais pas vous montrer d'autres hein. Donc c'est vraiment sympa hein, vous allez y passer des heures et des heures hein, si vous adhérez un petit peu à ce concept des courses. Donc voilà, c'est un jeu dans le jeu hein. Les courses de chocobo, vous pouvez y passer des heures hein. C'est vraiment fun à faire. Ça, il n'y a pas à dire. Moi j'ai bien aimé en tout cas. J'avais bien aimé sur FF7 et le fait de le revoir dans ce FF13-2, c'est vraiment sympa. Bon, c'est pas la même chose que dans FF13-2. On ne dirige pas complètement le chocobo hein. Dans ce FF13-2, par rapport à FF7, on ne fait que lui donner des aptitudes spéciales et puis une stratégie particulière en début de course. Et après, c'est lui qui fait tout. Hein. On ne va pas le diriger complètement. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est quand même bien qu'ils ont rajouté ce mini-jeu de course de chocobo à ce FF13-2. Ça, c'est un plus et c'est fun. C'est le moins qu'on est en droit de demander d'un jeu, c'est qu'il soit quand même fun. Donc là, on va sortir de là. Donc c'est la seule chose que vous pouvez faire dans Fortuna. Ah bah attendez, avant de sortir de là, je vais vous montrer le menu. Hein. Comme ça, je vous ai pas encore montré le menu. Putain, on est rendu à 1h20, c'est horrible. Le menu. Hop. Donc là, le menu. On va aller vite fait parce que le menu c'est assez fastidieux dans les RPG, mais je vais pas y passer 3 heures, on va y aller vite fait. Donc dans le premier c'est les stratégies, donc, vous voyez il y a déjà il y a que deux personnages comme vous l'avez vu. Hein. Là le leader que j'incarne c'est Noël Kress et Seraphon hein, est en personnage de soutien. Donc on peut à tout moment changer, hein. On n'est pas obligé de changer uniquement pendant le combat, on peut changer également sur le menu. Hein. Donc là on fait changer leader, hop, on a maintenant Sera
en leader. Donc là, vous voyez, si on revient sur la carte, vous voyez, ça a changé. Et maintenant, je dirige Serra. Mais de toute façon, on voit également Norel. Hein. Il se déplace avec nous. Hein. Il n'est pas invisible. Hein. Il n'apparaît pas que pendant les combats. Il apparaît également sur la carte. Hein. Ça, c'est bien. Alors, on revient sur le menu. Donc, stratégie. Stratégie. Donc, dedans, on peut changer les familiers. Donc là, c'est là où on peut avoir jusqu'à 3 familiers à la fois. Donc, en fonction de la stratégie. Donc, à chaque... on n'a que 3 combattants à la fois, bien entendu, mais on peut avoir 3 familiers et donc switcher entre les familiers en fonction de la stratégie que l'on aura adoptée. Donc là, par exemple, si je prends un autre familier, là j'ai pris 3 chocobos puisqu'ils ont les stats max et j'ai fait des super stratégies avec eux. Mais je peux également mettre, je sais pas, moi par exemple, voilà, on va prendre Orion, qui est voilà, on peut mettre, je sais pas, le flanc Vigie. Et là, au lieu du chocobo d'or, je peux mettre, je sais pas moi... Vous voyez, j'en ai capturé plein, hein, des familiers. Hein. Allez hop, le chef gobelin, par exemple. Et vous voyez, à chaque familier, vous allez avoir une stratégie qui lui est propre. Donc par exemple, le gobelin, le chef gobelin, il a la stratégie défense. Donc il ne sera utilisé que si vous optez pour une stratégie défense. Si vous n'avez pas de stratégie défense, il n'interviendra jamais. Pour le flanc Vigie, il a une stratégie soigneur, donc il faut la stratégie soigneur dans votre configuration. Pour Orion, il a une stratégie attaquant, voilà. Donc chaque familier a une stratégie qui lui est propre. Donc ça il faut en tenir compte. Le rôle. Donc là, les rôles, donc là, ça c'est pareil que dans FF13, même principe. On peut changer les rôles de nos personnages, hein, donc on peut adopter jusqu'à 6 stratégies différentes. 6 configurations différentes, donc par exemple force de frappe, ça combine une stratégie d'attaquant pour Serra et Noël et une stratégie de défense pour le familier chef gobelin. Voilà, donc compromis, 2 ravageurs, 1 flanc vigie, destruction, 1 saboteur, 1 ravageur et 1 attaquant. Vous voyez, donc ça permet après de... Il faut les connaître par cœur, les noms force de frappe, compromis, destruction, car pendant le combat, vous voyez, en appuyant sur la touche L1, vous switchez entre les différentes stratégies. Donc vous ne verrez que les noms de ces stratégies. Donc ça vous permet de jongler et de savoir si vous choisissez telle stratégie, vous aurez telle configuration pour chacun de vos personnages. Voilà, donc c'est à vous de bien établir vos stratégies. Archétype, ça c'est si vous voulez pas vous prendre la tête à choisir chaque stratégie comme bon vous semble, vous pouvez opter pour une stratégie par exemple offensive. Je veux une stratégie entièrement offensive, voilà, donc j'aurai la stratégie agression, donc j'aurai un attaquant, un ravageur et un attaquant, voilà, 2 attaquants et un ravageur. Vous pouvez également, bon là c'est pour supprimer des stratégies bien entendu. Ah oui, une nouveauté également dans les stratégies, c'est qu'on peut à ce niveau là, vous arrivez là, vous pouvez choisir pour chaque stratégie, chaque configuration de stratégie, si vous voulez que ça soit normal, donc ça va établir la stratégie de manière tout à fait normale. Concentré, ça veut dire que la stratégie va se concentrer uniquement sur un ennemi et pas sur un groupe d'ennemis. Et zone, c'est le contraire, ça va se concentrer sur un maximum d'ennemis que vous affrontez et non pas sur un ennemi bien particulier. Voilà, ça c'est une nouveauté dans les stratégies de ce FF13-2. Crystarium. Donc Crystarium, c'est pour faire évoluer vos personnages. Donc au fur et à mesure que vous allez gagner des combats, vous allez gagner des points d'action. Pardon, pas des points d'action. Oui, c'est ça, pardon, des points d'action. Et ces points d'action vont vous permettre de faire évoluer vos personnages. Donc là, attendez, on revient dans Crystarium. Pour Serra et Noël, je suis déjà au maximum. Donc vous voyez, je suis au niveau 99 pour chaque stratégie. Donc je ne peux plus les faire évoluer, hein, ils sont au maximum partout. Voilà, donc ça va du niveau 1 au niveau 99 pour chaque stratégie. Donc à vous de voir quelle stratégie vous voulez améliorer et booster au début. C'est à vous de décider. Comme bon vous semble, hein, si vous voulez par exemple que votre père, que Serra soit surtout spécialisé dans l'attaque, vous allez développer l'attaque dès le début. Et Noël, vous allez développer, je sais pas, vous voulez plus qu'il soit ravageur, vous allez développer le ravageur dès le début. Même si c'est plutôt le contraire, Serra est plutôt un personnage à prépondérance ravageur et Noël à prépondérance attaquant. Voilà. Mais voilà, à vous de voir quelle stratégie vous voulez améliorer dès le début. Hein. Il ne s'agit pas de tout améliorer en même temps. Je vous conseille d'améliorer 2 ou 3 stratégies au début. De toute façon, vous n'avez pas accès aux 6 stratégies dès le départ. Hein. Vous n'avez accès qu'à 1 ou 2. Et au fur et à mesure que vous gagnez des niveaux, vous allez pouvoir avoir plus de
de stratégie de disponible. Donc vous gagnez pas des niveaux hein, comme dans les FF old school. Vous gagnez des points d'action. Donc et à chaque point d'action, vous permet de consommer des sphères sur le Crystarium. Donc là, je vais vous montrer par exemple pour un familier, puisque les familiers également vont évoluer, mais contrairement à Serra à Noël, ils n'évoluent que grâce à des objets spécifiques. Donc ces objets spécifiques, ce sont des matériaux, des catalyseurs. Donc pour chaque familier, vous aurez un catalyseur bien particulier à utiliser pour les améliorer. Donc là, par exemple, pour le Viking, j'ai besoin de puces universelles, de vitalité, force ou magie. En fonction de ce que vous allez utiliser, vous allez améliorer plus le nombre de PV, augmenter plus la force ou augmenter plus la magie. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de stats, hein, on a que les stats d'attaquant, d'attaque physique, la stat d'attaque magique. Vous voyez, la 151 c'est l'attaque physique, 35 l'attaque magique, et le nombre de PV qui est de 2063. Donc là, par exemple, je vais utiliser puce universelle, comme ça va augmenter les stats de tout à la fois. Donc j'en utilise une, et là ça augmente tout. Voilà, passer au niveau suivant, il me faut un. Le coup c'est 1, donc il faut que j'utilise un seul catalyseur. Voilà, donc je peux avancer comme ça. Vous voyez, et au fur et à mesure que vous arrivez sur certains cristaux, vous allez avoir des compétences qui vont se débloquer. Par exemple là, j'ai débloqué la compétence dissipation P, puisque j'ai utilisé un catalyseur sur le cristal dissipation P, voilà. Et vous avez compris le principe quoi. Au fur et à mesure on débloque les. Donc c'est automatique hein. Donc là vous voyez je peux plus utiliser de cet objet. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les cristaux, vous devez consommer plus de catalyseurs. Là le coût est de 2 catalyseurs. Vous avez compris. Et au fur et à mesure que vous débloquez des cristaux, vous gagnez des capacités supplémentaires pour votre personnage ou pour votre familier. Et donc rendre vos personnages beaucoup plus puissants. Et en plus de ça, vous augmentez vos stats, hein, vous augmentez vos nombres de PV, vos nombres, votre puissance d'attaque magique, votre attaque physique. Voilà pour le Crystarium. Donc le but justement, c'est de réussir de faire le maximum de combats pour gagner un maximum de points d'action et donc aller dans le Crystarium pour développer vos personnages en conséquence. Donc voilà, vous ne gagnez pas des niveaux automatiquement par défaut. Il faut aller dans le Crystarium pour développer vos personnages et vos familiers. Les monstres, donc là on voit un petit peu chaque monstre qu'on a capturé. Donc les monstres évoluent de différentes façons, hein. Il y en a certains qui évoluent et gagnent des capacités assez rapidement, comme ceux qui sont précoces, hein. Et d'autres ils vont demander, réguliers c'est ceux qui évoluent normalement hein, et qui sont constants tout au long du Crystarium. Et il y en a également, je sais pas si je peux vous montrer, prometteurs. Les prometteurs, eux, ils évoluent très lentement au début, mais vers la fin, ils vont être surboostés et vont gagner beaucoup plus de gagner des capacités vers les derniers niveaux. Donc, on peut pas atteindre le niveau 99 pour chaque famille. Et certains familiers, on peut atteindre maximum le niveau 20, niveau 30, suivant le familier en question. Plus le familier est puissant et plus il va avoir un niveau élevé au max. Donc, pour chaque monstre. On peut voir un petit peu, on peut lui mettre un ornement. Donc ça sort. Attends, je vais pas prendre celui-là, il est moche. Qu'est-ce que je pourrais montrer? Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme. Ouais. Ouais, lui par exemple. Alors, ornement, donc ça c'est pour décorer un peu le monstre, ça sert à rien. C'est des objets qu'on récupère. Tout au long du jeu, hein, de différentes manières, on peut en acheter ou en gagner. Et donc ça, c'est juste pour voilà, ajouter un petit effet à votre monstre hein, pendant le combat. Donc ça, c'est sympa. Voilà, on lui a mis un chapeau, hein, pourquoi pas. On peut changer son nom, hein, si le nom par défaut, Tescalipoca, donc j'avoue, c'est un nom assez compliqué. Si vous lui donnez un nom beaucoup plus rigolo, on peut, hein, on peut lui changer son nom. Fusion, donc ça c'est une grande importance, c'est le mode fusion pour les monstres. C'est qu'on peut faire fusionner un monstre avec un autre monstre. Donc là par exemple, je vais pas faire fusionner lui parce qu'il est assez balèze. Par exemple, je vais faire fusionner lui. Voilà, lui, je sais pas. Voilà, lui, voilà. Je vais faire fusionner lui. Voilà, vu que c'est, il a une capacité de saboteur. Alors on va essayer de le faire fusionner avec un autre saboteur. Et en général, quand on fusionne un ennemi à un monstre avec un autre monstre,
le monstre qui va en ressortir. Hein. Donc là, c'est par exemple là j'ai pris le loup argenté. Je veux le faire fusionner. Ben non, on veut pas le faire fusionner avec un autre loup argenté. On peut, mais bon, je veux le faire fusionner avec un autre saboteur. Voilà, avec la grenouille épine. Voilà, si je le fais fusionner avec la grenouille épine. Donc la grenouille épine va disparaître complètement, hein, on ne pourra plus l'utiliser. Mais notre gorgonopside, il va avoir la compétence de soutien en plus, attaque rapide. Voilà, donc et des fois ça peut également augmenter les stats, les capacités d'attaque et de défense. Hein, et également nos PV. Par exemple, si je prends, attendez, il était où? Non. Voilà, lui par exemple. Voilà, là par exemple, j'utilise lui, je veux fusionner avec le loup argenté. Le loup argenté va disparaître pendant la fusion. Et le monstre que j'avais sélectionné pour le faire booster, et ben vous voyez, ses points d'attaque vont augmenter, il passe à 138. Et sa force se voit attribuer un bonus de plus 16%. Voilà, là je le fais fusionner. Voilà, on peut pas transférer des compétences, mais des fois on peut en faire transférer. Hein, donc, par exemple, on a une compétence sur un monstre et qu'on veut le donner à un autre monstre, on fait une fusion et le monstre qu'on veut qu'il ait une très bonne compétence l'aura. Voilà, mais après tout dépend. Hein, en général, il faut faire fusionner deux monstres de même stratégie. Par exemple, là, j'avais fusionné un saboteur avec un attaquant, c'est pas super. Hein. En général, il faut faire fusionner un attaquant avec un autre attaquant, un saboteur avec un autre saboteur pour faire transférer les compétences. Donc voilà, ça sert à ça. Il faut en tenir compte de ces transferts et ces fusions pour avoir des monstres bien plus puissants. Et on peut également libérer le monstre hein, s'il nous saoule et il ne nous sert plus à rien. On peut le libérer, voilà. Mais attention, il y a certains monstres qu'il faut pas libérer parce qu'on les a qu'en un seul exemplaire, on pourra plus jamais les récupérer, comme le chocobo argent. Donc faites attention, ne libérez pas n'importe quel monstre. Donc voilà pour les monstres, hein, donc important les fusions hein, pour avoir des monstres beaucoup plus puissants hein, avec de meilleures aptitudes. Parce que certains monstres qui sont super puissants ont certaines aptitudes qu'ils ne peuvent pas avoir et qui ne sont présents que sur des monstres qui ont une aptitude qui sont pas puissants et qui ont cette aptitude. Donc la stratégie est de garder le monstre puissant et de faire fusionner avec un monstre plus faible pour obtenir un monstre super puissant. L'équipement, bon c'est assez standard l'équipement, hein, on peut changer d'armes, donc l'épée, hein, bien sûr. Donc pour Serra, donc elle combat avec une épée qui peut se transformer également en arbalète, hein, donc c'est le Mog qui se transforme, hein, donc également un petit, ça fait plaisir de revoir les Mog dans ce Final Fantasy XIII-2. Donc le Mog, il va nous accompagner tout le long du jeu accompagner Serra et Noël tout au long du jeu et a un rôle important à jouer au long du jeu. Hein, donc franchement un personnage vraiment sympathique hein, et avec une voix toute mignonne, propre au Mog. Donc voilà, on a plusieurs armes qu'on va pouvoir récupérer tout au long du jeu. Certaines, il va falloir les acheter. Et d'autres, il va falloir utiliser certains matériaux pour les acheter, mais en les fabriquant bien entendu. Et on a les accessoires. Donc les accessoires, on peut en équiper en fonction de nos points d'accessoires. Donc maximum, les points d'accessoires qu'on pourra avoir, c'est 100. Et en fonction des accessoires, il va faire en sorte que chaque accessoire ne dépasse pas les points d'accessoires 100. Voilà. Donc à vous de voir. Donc les accessoires vont permettre d'avoir des compétences supplémentaires pour votre personnage, comme augmenter son attaque physique, son attaque magique, augmenter son nombre de PV, avoir un bon, être protégé contre, je sais pas moi, la malédiction, être protégé contre le poison, avoir un boost bien particulier. Voilà, il y a plusieurs compétences qu'on peut obtenir quoi. Gagner plus de gils à chaque combat, voilà. Donc à vous de voir quel accessoire vous voulez mettre, en faisant en sorte que ça ne dépasse pas le point d'accessoire max qui est 200. Au début il est plus faible, mais au fur et à mesure qu'on gagne des niveaux il va augmenter. Et donc faire en sorte que ça, c'est un peu dommage, on peut pas équiper trop d'accessoires. Maximum on pourra en équiper 2 voire 3. Et les meilleurs accessoires, malheureusement, consomment jusqu'à 100 points d'accessoires. Ça, c'est un petit peu dommage.
On peut optimiser si on veut, voilà, si on veut pas se prendre la tête à sélectionner chaque équipement par défaut. Changer leader, je l'ai déjà dit. Caractéristiques pour voir les différentes caractéristiques de nos personnages. Inventaire pour voir les différents objets qu'on a à notre possession, hein, donc les accessoires, les matériaux. Donc c'est les matériaux, hein, c'est les ce qu'on va pouvoir utiliser justement pour acheter certaines armes et accessoires dans la boutique de Chocolina. Donc on va pouvoir fabriquer, Chocolina va pouvoir vous fabriquer certains accessoires ou armes si vous leur apportez certains objets bien particuliers. Mais vous pouvez également les vendre, ces objets, hein, si, pour gagner plus de gils. Les cristaux de monstres, hein, donc c'est les monstres que j'ai récupérés. Les ornements, hein, ce que je vous ai montré pour un petit peu customiser vos monstres. Les dossiers, donc là, plein d'infos sur FF13.2, hein, du didacticiel jusqu'aux informations sur les personnages, en passant par les lieux à visiter et les différents fragments que vous aurez récupérés. Vous aurez des infos sur ces différents fragments, hein, donc pour développer encore plus le scénario de FF13.2 et en apprendre un maximum, c'est là-dedans que ça se passe. Le bestiaire pour voir les différents monstres que vous avez rencontrés au cours du jeu, les fragments, donc c'est ce que je vous ai montré, hein, les fragments qu'on récupère, 160 au total, et vous avez des infos sur chaque fragment. Donc, permettre d'en apprendre plus sur FF13.2. Les privilèges, alors ça c'est également dans dans Fortuna, je vais pas y aller, mais il y a également un personnage qu'on rencontre qui est mystique, et que au fur et à mesure que vous gagnez des fragments, donc également importance des fragments, c'est pas juste pour avoir la meilleure fin du jeu, enfin la fin bonus du jeu, mais également pour débloquer des privilèges. Quand vous récupérez un certain nombre de fragments, vous allez voir Mystique et elle va vous donner des privilèges. Alors ces privilèges permettront de faire le jeu sous un autre angle. Par exemple, avoir une ristourne quand vous allez dans la boutique de Chocolina, avoir un moins 25 ou moins 50%. C'est grâce à ce privilège. Augmenter les points de compétence à chaque combat, le doubler par exemple, il faut le privilège en question. Augmenter la vitesse de jeu, ça c'est vraiment le délire, hein, je vois pas trop l'intérêt. Il faut également ce privilège. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut changer la musique du Chocobo, par exemple version normale. On peut mettre d'autres versions, hein, d'autres musiques. Je vais aller me promener à Chocobo pour vous montrer ça. Et puis voilà, vous avez d'autres privilèges, hein, ça vous permet de booster un peu plus votre personnage et voir le jeu un petit peu sous un autre angle pour certains. Certains sont facultatifs, sont pas trop utiles pour le déroulement du jeu, mais d'autres sont importants et sont indispensables pour finir le jeu à 100%. La carte, pour voir un petit peu la carte du jeu qu'on peut voir à tout moment, hein, bien sûr, même quand on joue. Les costumes, bah, on peut changer de costume si on veut, voilà, Serra, si elle veut changer de costume. Donc les costumes sont des DLC, hein, on les a pas d'office, hein, il va falloir les acheter. Il y en a un qui est gratos et l'autre on le récupère si on avait réservé le jeu, il était fourni avec, c'est celui-là. Par exemple, je veux l'ensemble tenue de plage, je peux mettre celui-là. L'armure N7, c'est l'armure de What the fuck, c'est l'armure de Mass Effect, n'importe quoi. Voilà, idole guerrière. Voilà, par exemple, je veux mettre ensemble de plage si je veux. Hop, pour Noël c'est pareil, on peut changer, hein, la tenue d'assassin, allez hop, pour le fun, la tenue d'Assassin's Creed, pourquoi pas, et on peut également changer la tenue du Mog, mais là je peux pas le faire parce que je n'ai pas le Mog avec moi, mais on peut changer également la tenue de Mog, et puis les options, je vous en ai déjà parlé, voilà pour le menu, bon j'essaie de pas être trop long, donc là on va sortir, et on va bientôt s'arrêter de toute façon. J'ai essayé de faire en sorte que le test ne dure pas trop longtemps. Putain, je suis déjà à 1h30, c'est magnifique. Je vais vous montrer un dernier lieu et on va se quitter là-dessus. Juste pour vous montrer les chocobos. Je sais plus où c'est. Ah bah attendez, je vais vous montrer justement un lieu inédit. Allez, Academia. Voilà, ici. Academia, c'est sympa. Il n'y a pas de combat, mais c'est la nouvelle ville dans... Dans Grand Pulse, hein, c'est le siège de l'humanité, hein, enfin, c'est là où il y a le gouvernement, quoi, le nouveau gouvernement qui s'est mis en place depuis la chute de Cocoon et qui dirige un petit peu, les activités de Grand Pulse. Donc voilà, FF13.2, vraiment un très bon jeu. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à faire. Hein, Il est tout sauf linéaire, hein, contrairement à FF13. Hein, donc ça va faire plaisir à ceux qui ont boudé FF13 à cause de ça. Oui, donc là, la tenue, on peut l'avoir à tout moment. Garder la tenue de Serra
et de Noël, hein, c'est sympa, ça permet de changer un peu, hein, de pas avoir toujours la même tenue par défaut de chaque protagoniste du jeu. Au moins on change, hein, ça c'est plutôt sympa. Donc là, je crois qu'il y a le... Voilà, il est parfait, il est là, le chocobo, donc il va falloir consommer un légume gisal pour pouvoir le chevaucher. Et là, je vous laisse un petit peu écouter la musique du chocobo. En plus, vous voyez, il y a un petit souci du détail, hein, c'est que même Noël a le droit à son chocobo et il nous suit. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, plutôt sympa, là, le thème du chocobo également. La ville d'Academia me fait un petit peu penser à la ville futuriste dans le cinquième élément. C'est plutôt un petit peu la même architecture, hein. C'est vraiment une ville futuriste, vous voyez là, avec les véhicules qui se déplacent dans les airs, c'est vraiment une ville du futur, quoi. Et là, si vous voulez, si je vais dans les privilèges, par exemple, je me gourde de boutons, si je vais dans les privilèges et que je mets par exemple la musique du Chocobo version endiablée, vous allez voir ce que ça donne. Métal carrément, quoi, un remix du thème des chocobos. Ça, c'est spécifique à FF13-2, hein, mais c'est sympa de l'écouter. Normalement, la première fois qu'on l'écoute, c'est quand on chevauche des chocobos sauvages, mais voraces. En fait, c'est des chocobos qui ont subi un paradoxe. Hein. Donc, les paradoxes, ce sont les altérations de la cours du temps, hein, et ce qui fait qu'il y a des bouleversements à différentes époques que vont visiter Sierra et Noël. Et donc ces chocobos, quand on les chevauche, ben en fait ils ont cette musique là qu'on écoute, mais on peut, ils consomment des légumes gisal de leur propre chef. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on les chevauche, ils vont puiser dans nos réserves de légumes. Et une fois qu'ils ont consommé tous nos légumes, ben ils nous désamorcent comme de la merde, quoi. Hein. Alors il faut faire gaffe avec eux, hein. Il faut pas trop les chevaucher parce que votre stock de légumes gisal va en compatir. Vaut mieux prendre des chocobos normaux, hein. On a besoin que d'un seul légume gisal pour les chevaucher. Et ça permet de se déplacer plus rapidement d'un lieu à un autre sans devoir affronter des ennemis. Voilà. Donc, si on veut passer un passage rapidement sans faire le moindre combat, bah, essayez de trouver un chocobo pour aller beaucoup plus vite déjà et pour éviter les combats. Voilà, on peut descendre à tout moment, bien entendu. Voilà, donc ça servait à ça. Je vous ai montré un des privilèges, hein, c'était pour vous dire à quoi ça sert. Donc, ouais, il y en a certains, c'est des bonus. Hein, le fait de changer de musique lorsqu'on chevauche un chocobo, ça c'est vraiment que pour le fun. Hein. Mais d'autres, voilà, ils ont un peu plus d'importance. Hein, voilà, donc je sais pas ce que je pourrais vous montrer d'autre. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, je crois. Je vais vous montrer peut-être un dernier lieu pour le fun. Enfin, allez, allez, pique infâme. On va faire ça et on s'arrêtera là. Voilà, donc FF13-2, est-ce que c'est un FF13 un FF13 plus ou vraiment un jeu à part entière. Alors moi je dirais plus que donc c'est la suite de FF13, ça c'est sûr, mais est-ce que son achat est indispensable? Moi je serais amené à dire oui. Oui, pour les personnes qui ont fait FF13. Pour ceux qui n'ont pas fait FF13, FF13-2 n'a pas vraiment d'intérêt, rien que pour le mode histoire, rien que pour l'histoire du jeu, vous allez être un petit peu largué. C'est-à-dire que vous n'allez pas ressentir les mêmes sensations que si vous avez fait FF13 auparavant. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous conseille de faire FF13 avant de faire FF13-2. Ça paraît logique. Voilà. Quand même, c'est sa suite, donc on va pas faire le numéro 2 avant le numéro 1. Même si vous allez prendre du plaisir à faire FF13-2, si vous n'avez pas fait FF13, il n'y a pas de souci. Vous allez quand même vous amuser sur FF13-2, mais voilà, pas à 100%. Vous n'allez pas profiter comme il se doit du jeu
rien que pour le scénario et pour l'histoire des personnages. Après, graphiquement, le jeu est magnifique. Donc, ça n'a rien à dire, hein, c'est le même moteur graphique que FF13, donc ça envoie du lourd, hein, c'est super beau. Vous le voyez, les environnements sont assez vastes, assez détaillés, hein, quand même. Hein. Il y a du détail, hein. Il y a un souci du détail au niveau du caractère des ailes des personnages, mais également au niveau des décors. C'est magnifique, hein. C'est vraiment carte postale. Hein. C'est super beau, même si on n'a pas trop d'interaction avec le décor, ça c'est un peu dommage. Hein. Il y a quand même quelques couloirs par moment. Hein. Voilà, par exemple, là, il y a des murs invisibles, on peut pas y aller. Hein. C'est juste beau, hein, à contempler, mais on peut pas accéder n'importe où. Donc ça, c'est qu'on n'est pas libre à 100%. Mais on l'est beaucoup plus que dans FF13, ça c'est sûr. Au niveau de la bande son, rien à dire, magnifique. Donc de très bons thèmes, hein, même s'il y a quand même pas mal de recyclage. Il y a des thèmes inédits qui sont vraiment fortement appréciables. Et dans l'ensemble, franchement, de toute façon, les musiques des FF, c'est du grand art. Hein. Ça s'écoute avec un grand plaisir. Le gameplay, donc le même que celui de FF13. Hein. Si vous êtes habitué au gameplay de FF13, vous reprendrez vos marques très facilement avec ce FF13-2. Une autre nouveauté que j'ai oublié de vous dire, c'est le lancer de mug. Hein. Donc on peut lancer à tout moment notre mug pour nous permettre de choper certains objets. Donc voilà, on le lance. Donc certains objets ou certains coffres, on ne peut pas y avoir accès directement. Comme c'est, vous voyez ces coffres-là. Là, je l'ai déjà ouvert, mais certains sont pas faciles d'accès. Hein, donc on ne peut les déverrouiller que grâce au mug, en lançant le mug vers la direction où se trouve l'objet. Voilà. Et également, certains coffres sont cachés, donc il va falloir utiliser la capacité du mug de détecter les objets cachés. Donc on appuie sur le bouton R1 et voilà, ça nous permet justement de déblayer la zone. Si on voit par exemple un objet qui est transparent, c'est-à-dire qu'il est dans une sorte de paradoxe, et grâce au pouvoir de mug, on va pouvoir le faire apparaître à l'époque où on se trouve. Voilà. Donc ça, c'est une autre capacité du mug à utiliser à bon escient. Voilà, j'en reviens à la conclusion. Donc gameplay, voilà, vous allez vous fier rapidement au niveau des combats, au niveau du maniement, le switch entre les différentes stratégies. Voilà, c'est du FF13, donc si vous avez déjà joué à FF13, vous reprendrez les bases très rapidement avec ce FF13 2. Ça, y a pas de photo. Même si, voilà, ce que je repose, c'est que voilà, c'est au niveau des combats, c'est quand même rendu un peu grand public, c'est qu'il n'y a plus le... C'est-à-dire que si on rate un combat, bah, c'est pas grave, on recommencera juste avant le dernier combat qu'on a pour lequel on a échoué. Ça, c'est un peu dommage, il n'y a pas le stress qui est en nous à chaque combat. On peut toujours le recommencer, même si on crève. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est un peu dommage, hein. Ils ont fait un petit peu le côté... grand public à ce niveau-là. Et puis également pour le système de sauvegarde où on peut sauvegarder à tout moment avec la sauvegarde automatique en prime. C'est un petit peu dommage également. Là vous voyez, j'ai tué un ennemi. Ça va devenir un peu aléatoire. Vous voyez le cristal qui est apparu. Hein, j'ai réussi à choper à capturer l'ennemi en question. Là vous voyez, j'ai capturé un lancier. Voilà. La carte, on peut l'afficher à tout moment également, hein, ça je voulais pas montrer. Et puis également, vous voyez, c'est un petit peu défaut à ce FF13-2 par rapport à FF13 au niveau des combats, c'est qu'on va démarrer à plus de 90% avec le bonus célérité, puisque on peut engendrer les combats avec un net avantage très facilement, il suffit juste de taper l'ennemi avant qu'il nous touche, donc c'est super facile, quoi. Donc ça rajoute un petit peu de la simplicité au jeu. Mais quand même, le jeu est quand même assez difficile au fur et à mesure des combats. Certains combats sont vraiment difficiles, d'autres plus faciles. Tout dépend de votre niveau au moment où vous affrontez, où vous démarrez ce combat. Mais dans l'ensemble, ça reste faisable. Hein. C'est pas insurmontable et je le trouve quand même beaucoup plus facile que Final Fantasy XIII. Voilà. Voilà, j'ai encore chopé un autre familier, c'est cool. Allez, on va quitter. Et je vais vous montrer une cinématique de fin et puis on s'arrêtera vraiment là-dessus. Hop. Enfin, une cinématique de fin. Je vais vous montrer la cinématique du mode arène. Et on s'arrêtera là-dessus.
Voilà, donc très bon épisode, hein, Final Fantasy XIII 2, que je conseille surtout aux personnes qui ont joué à FF13, hein, et qui ont boudé FF13 à cause de ses nombreux défauts. Là, vous allez prendre du plaisir avec FF13 2. Sa durée de vie, il faut compter minimum 20 heures en ligne droite, mais après, la durée de vie, vous voyez, j'ai fait plus de 100 heures sur le jeu. Si vous voulez avoir tous les fragments, vous en avez pour une centaine d'heures, hein, ça c'est clair, hein, à faire plein d'allers-retours entre les différentes époques et différents lieux. Donc ça rajoute le côté un petit peu libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se balader entre les différents lieux, même si c'est pas libre à 100% comme c'était le cas dans les anciens FF, mais on est quand même sur la bonne voie. FF13 2 se rapproche plus des anciens FF que Final Fantasy XIII, premier du nom. Et ça, ça va faire plaisir aux personnes qui ont craché sur FF13 pour son côté linéaire, répétitif. Voilà. Vous avez également, comme je l'ai dit, deux DLC pour des scénarios supplémentaires. Donc un scénario avec Saz dans Fortuna, où vous allez avoir des jeux supplémentaires dans Fortuna, comme ce sera des jeux de cartes. Donc ça, ça n'a pas trop d'intérêt, c'est pas un DLC très intéressant. Le DLC de Lightning, hein, qui est Requiem de la DS, est important, mais je vous conseille de le faire que si vous avez terminé une première fois FF13, hein, puisque ça va spoiler pas mal, hein, donc finissez FF13 2 avant de faire le DLC Requiem de la DS. Mais il est pas mal, il vaut le coup d'être acheté. Voilà, et enfin, si vous voulez prolonger encore plus la durée de vie du jeu, qui est déjà conséquente, c'est le Colisée, avec les combats contre des boss facultatifs et qu'on a rencontré dans d'anciens FF, hein, comme Omega, comme Lightning, comme Amodar, même dans les anciens FF comme Gilgamesh, comme Octros, voilà, et d'autres. Il y a d'autres ennemis qu'on a rencontrés dans d'anciens FF qu'on peut affronter dans le Colisée. Donc ça, c'est pour le côté nostalgie, et ça permet, voilà, de booster un peu vos personnages et puis de rallonger la durée de vie du jeu. D'ailleurs, les monstres les plus balèzes, c'est dans le Colisée que ça se passe, hein. Si vous voulez du challenge, c'est le Colisée qu'il faut aller. Je vais le verrouiller, d'ailleurs, ce Colisée, pour montrer la cinématique d'intro du Colisée qui est phénoménale, qui est vraiment classe, hein, et qui se débloque en achetant le DLC de Snow. Donc vraiment sympa. Et comme ça vous permettra de voir les différents monstres facultatifs qu'il faudra acheter un par un dans le contenu téléchargeable dans le menu principal du jeu que je vous avais montré au début du test. Donc ça, c'est un petit peu naze. Mais sinon, voilà, si vous voulez du challenge supplémentaire et rallonger de la durée de vie, le Colisée est fait pour vous. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur FF13 2. Prenez-le. Franchement, moi, j'ai eu un très bon ressenti et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce Final Fantasy XIII 2, autant que pour Final Fantasy XIII. On va dire qu'ils se complémentent. Moi, ce que j'ai surtout aimé dans FF13, c'est son scénario. Voilà. Et si vous voulez, celui de FF13 2, je le trouve un petit peu banal et un peu bâclé, pas très intéressant, alors que dans FF13, il était vraiment épique. Voilà. Moi, je pense que s'ils auraient combiné le scénario de FF13 avec le gameplay et la durée de vie de Final Fantasy XIII 2, on aurait vraiment eu le Final Fantasy XIII parfait. Voilà. Malheureusement, ce fut pas le cas, mais voilà. Pour ceux qui ont boudé FF13, faites FF13 2. Il corrige une majorité des défauts qu'il y avait dans FF13. Déjà, la durée de vie qui est rallongée, le fait qu'on peut interagir avec les PNJ, on peut avoir pas mal de quêtes annexes, hein, il y a pas mal de quêtes annexes à faire, hein, comme récupérer les différents fragments, il y en a 160 au total, en parlant aux différents PNJ qui nous donneront différentes tâches. On a également le Fortuna avec la course de Chocobo qui va vous demander des heures et des heures pour en voir le tour. Ah, je vous ai pas montré Chocolina, mais Chocolina c'est une femme habillée en Chocobo pour pouvoir. C'est là où vous achetez des objets, des armes pour vos personnages. Hein, c'est à cet endroit-là que vous effectuez vos achats et vous pouvez vendre des objets également. Ça c'était la petite parenthèse. Et sinon, voilà, c'est un très bon Final Fantasy. Comme je vous l'ai dit, comme j'avais dit dans mon test de FF13, j'avais dit que c'était un très bon Final Fantasy, mais un mauvais RPG. Là, pour ce FF13 2, je dirais que c'est un très bon Final Fantasy et un bon RPG. Voilà, parce qu'il a quand même apporté des choses
qui sont propres au RPG, à savoir les quêtes annexes. Et ça, ça fait plaisir de les voir dans ce FF13. Le jeu n'est pas linéaire, il a de la plus-value, il a du... Il a de la rejouabilité. Refaire certains niveaux sur ces différents angles pour débloquer d'autres événements dans le jeu. Vous avez également des dialogues avec certains PNJ où il va vous permettre de choisir la réponse que vous allez leur donner. En fonction de la réponse que vous allez leur donner, en appuyant sur une des touches de la manette, vous aurez 4 réponses à votre disposition. Suivant la réponse que vous allez donner, ça va un petit peu influer sur l'histoire, pas beaucoup, mais ça va un petit peu influer sur ce qui va se passer juste après, et le dialogue va aller dans ce sens-là. Et si vous voulez obtenir certains fragments et certains ornements, il va falloir réussir ces phases de dialogue. C'est le libre choix qu'on appelle ça. Il va falloir les réussir d'une certaine façon. Voilà, donc il y a des choses à faire dans ce FF13 2. Durée de vie conséquente, plus d'une centaine d'heures, graphiquement magnifique, bande son magistrale, gameplay propre à FF13, hein, donc prise en main qui demande un certain temps d'adaptation, mais après, au fur et à mesure du jeu, on est vraiment imprégné et on s'éclate bien. Et voilà, durée de vie monumentale avec des quêtes annexes qui font bien plaisir. Voilà, donc faites FF13 2, c'est un très bon jeu que je ne peux que vous recommander. Si vous avez fait FF13 et que vous avez aimé, vous allez forcément adorer FF13 2, ça c'est clair. Et pour ceux qui n'ont pas aimé FF13, je pense que vous allez être réconcilié avec ce Final Fantasy 13-2. Pour ma part, FF13-2 est ce qu'on est en droit de s'attendre d'un Final Fantasy, c'est-à-dire du fun, un bon mode histoire, même si celui d'FF13, je l'ai préféré, un bon gameplay, de bons graphismes, une bonne son, et surtout des quêtes annexes intéressantes à faire. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo test. Donc d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine. Et je vous laisse avec la cinématique d'intro du Colisée. From the farthest reaches of time they come, guided by paradox. Souls burning for battle, drawn to this arena of blood. Unleash every weapon at your command and seize victory. Wandering hero of the void, speak your name. Oh yeah! Snow Villiers is here! What? You! My introduction! I can't believe you ruined it! Sorry, got bored of waiting. You'll pay for that! Prepare to be thrashed! For you face the mighty Gilgamesh! You're the guy that collects weapons? I got a fist for you right here! Come then! Your aim sucks! We shall see! Perhaps you missed my extra arm! Better joke? Ice one! Off your game, hero! That's not fair! I was winning! Warriors seeking to claim supremacy gather from beyond the continuum. Now is the time for glory!
humanity and be reborn! You can't be. What do you suppose I am? A ghost made flesh? A servant of chaos? I am your waking nightmare! A puppet of the foul sea? You gonna call me that too? Is that any way to talk to your commanding officer? Maybe I need to reteach you your basic training. Well, looks like everyone's here. Not everyone. Behold, travelers of the timeline, come to join this fateful contest! This is my lucky day. I've been waiting for this chance! Hope you're ready, sis! A battle unlike any seen in history looms bloody on the horizon! Prepare yourselves, warriors of time. Prove who is the strongest among you.